Butez les flics, butez les flics. Pourquoi ça? Tu vas pouvoir remonter, je pense, ils sont derrière le camion. Pourquoi vous avez fait ça? Et maintenant, Jésus a dit, lève-toi et marche. Allez, donne-moi 800 dollars. Ouais, mais dépêche! Ah, mais nique ta mère! Je bois même pas de vin, je connais mieux que toi. C'est un truc de fou quand même. Bon, emmenez-moi le vin. Tu veux pas que je coupe tes doigts? Je suis client, sur moi. Tu payes pas, t'es pas client. Un client, il paye. Oui, arriva, arriva. Incroyable. Arriva, arriva. Si, si, viva, mais rigolo, mais rigolo. C'est beau, hein. Ah, avec la piscine, ouais. Mais c'est besoin de prendre en photo, hein. Ah! Oh, il a fait un plongeon. Salut, salut. Juste pour vous dire qu'on a reset la whitelist du serveur. Ça veut dire qu'en gros, toutes les personnes qui avaient été refusées définitivement la whitelist peuvent retenter leur chance. Et même les nouvelles personnes qui veulent essayer un petit peu ce serveur. N'hésitez pas, le lien du Discord est en description. C'est mardi, à tout de suite. Wow, il a raccroché à une vitesse, lui. Oh, allô? Oui, bonsoir, désolé, j'ai pas fait exprès. Ouais, tranquille, ça va quoi? Ça va et vous? Ah, ça dit quoi? Là, j'ai été voir ma psychologue. Quoi? Oui, j'ai une psychologue. Mais pourquoi faire? Je vais évoluer, vous savez, j'ai envie de me faire accepter par le monde, donc je vois une psychologue. Ok, ok, moi faut que je te parle un truc sérieux là. Maintenant? Bah ouais, bah, quand t'as fini avec ta psychologue. Ah, ça met du temps, hein. Sinon, ok, ok, non mais après. Avec elle, non, hein. Non, mais après. Genre, c'est un truc sérieux, mais pas. C'est pas un truc qui va arriver maintenant ou ce soir, tu vois. Mais faut quand même que je t'en parle. Ah, comme tu dis ça, j'ai envie de venir tout de suite. Non, mais bah, t'inquiète, c'est rien. Ok, je termine avec ma psychologue. Vas-y, okay, ça marche. Vas-y, allez, tu me tiens au courant. Ok. Hello! Oui, bien reçu. Oh, hello, hello, hello! Je vais continuer à parler dans la radio, comme ça tu vas comprendre. Yo, hello, 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 hello! Non, vas-y. Non, c'est important pour ma santé mentale. Wesh, pourquoi t'as repris l'accent d'un coup? Je disais, ouais, c'est important pour moi. Ah, voilà. Mais je suis un jardin, arrêtez! Tu te rappelles, ce soir, on a rendez-vous à 23h avec Léonil pour l'hélicoptère. Bah, oui. Ouais, Billy, ça va ou quoi, c'est Richie? Ouais. Ouais, juste pour voir avec toi, c'est toujours bon du coup ce soir à 23h. Ouais. Vas-y, bah Marina à 23h. Attends, 23h10, 22h50. Vas-y, 22h50. Vas-y, à tout à l'heure alors. À tout. Allo Richie. Ouais, 25, ça va ou quoi? Ouais, et tu sais quel jour on est? Le jour des cérémonies. Le jour des cérémonies, on va voir si je passe sergent chef. Et si jamais tu me prends la plus grosse location. Ouais, je te prendrai la plus grosse location pour que tu puisses être bien. Sauf que il te reste plus que 10 000 dollars sur ton compte. Je me mettrai à découvert pour te les payer. Oh, ok, ça me fait plaisir. Bon courage. Vas-y, merci d'assurer à toutes. Vas-y. Ouais, Hamid. Bonsoir, monsieur Richie, comment allez-vous? Wesh, le tutoiement, je m'en bats les couilles de vous, vraiment, t'es fou, quoi. Wesh, Richie, ça va ou quoi? Ouais, à partir du moment où tu me fais une location, t'es mon pote, mon pote. Est-ce qu'il y a moyen peut-être d'avoir une location, mon Mais pote, bien du coup sûr, Roya, t'es où, là? Parking central. Bah, écoute, je viens te chercher, si tu veux, je suis là. Ok, bah, c'est parfait, merci. À tout de suite. Salut Richie! T'as eu le mauvais réflexe, hein, quand même, hein? C'est bizarre, hein? J'ai failli sauter, j'avoue! Ça va quoi, Richie? Ça va et toi? Ouais. Bah alors, t'es parti où là? Bah, je suis là, moi, tous les soirs, hein! Je pense que samedi, je vais faire une petite course, d'accord? Une petite course, c'est-à-dire? C'est-à-dire que ça partirait de l'aéroport. Ouais. Faudra faire tout le tour en passant par Ah, madame! Viens, je te dépose! Oh, elle est déterminée, elle est vraiment déterminée. Ouais, des téléportations. Elle fait des moulouettes des fois, j'ai l'impression. Ta grande bouche là, tu rentres ou pas? On te dépose. Oh, moi, les déter. Hein. Ah, laisse tomber. Du coup, faudra aller à Paleto et revenir à un autre endroit. Et... Attends, mais c'est une course du coup, genre, c'est quoi le bolide que tu veux prendre? Les mêmes bolides ou n'importe quoi? Non, les mêmes bolides, les mêmes bolides. Ah, okay, quoique, okay. Après, il est déjà fait où chacun pouvait ramener son véhicule, t'en penses quoi? Après, ça va créer, je pense, tu sais, de la disparité, ça va être bizarre, tu vois. Bah, ça va créer de la disparité, mais. Oh, genre, déjà, tu connais ce mot là? Non, c'est juste parce que tu l'as dit. Vas-y, viens, garage. Vas-y. Attends, du coup, ce serait pour samedi et genre, t'as prévenu du monde? T'as fait un truc Weasel ou pas? Non, faut surtout pas que je prévienne les Weasel. Pourquoi? Bah, parce que j'ai envie de rajouter de la difficulté. Ça va être de bouche à oreille. J'ai envie après de prévenir les flics course illégale et bim, ça va rajouter encore plus de défis. Ouais, mais j'espère qu'il y aura du monde quand même. Après, normalement, samedi, il y a du monde. Hein. Je vais pas te mentir. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était il y a un petit moment. On était facile 30. Ça va. 30 ça véhicules, va, chacun ramenait son véhicule et tout. Ouais, vas-y. Oh, allô? Oui, bonjour. Ça serait pour louer deux cartes, s'il vous plaît. Deux cartes? Ouais, vous êtes qui, s'il vous plaît?
C'est Ryan Jackson, je les ai loués hier, deux là. Ryan Jackson ? Je suis à l'entreprise. Je préviens, j'essaye de voir avec le Wiz News s'il n'y a pas moyen d'avoir un hélicoptère pour suivre la course. Moi j'ai un hélicoptère, moi. Tu veux pas y participer, Richie ? Ouais, moi les caisses, moi je les loue, hein. Tu vois, c'est comme un dealer, tu vois, il consomme pas ce qu'il vend. Mais tu sais ce que tu peux faire ? Ouais. Tu peux sortir un véhicule et faire ta promo. Comme ça, ou bien sinon, tous les participants sont obligés de louer chez Richie Deluxe. Et ouais ! Ouais, mais le problème, c'est que les flics vont voir que Richie. Mais le problème, c'est que les flics vont voir Richie, location chez Richie. C'est pas grave, moi je connais 42, le commandant, je connais tout le monde, c'est pas grave. Ça serait bien que un mec clean. Ouais, et du coup, je leur dis, tout véhicule autorisé, n'hésitez pas à aller louer chez Richie. C'est ça, voilà. Donc ça, tout ça véhicule particulier de speed, voilà. Et comme ça, tu prends ton petit billet. On fait comme ça. Ah ouais, frérot, normal. Et tu mets sur un business, tu prends ton billet. Tu sais quoi ? On va même fermer. C'est combien le billet, à ton avis ? Bah, en fait, ça dépend, tu vois. Genre, on peut faire 50-50 hein, sur les locks, tu vois. Vu que toi, t'organises. À la limite, on fait du 80-20 ou peut-être du 70-30. Et les 30 à chaque fois, moi, le gagnant, il remportera la somme. Ok, ça va. De toute façon, on avisera, on s'en fout. Du moment que les gens ils s'amusent, moi, je m'en bats les couilles. Ouais, c'est ça. C'est le but. Et je sais qu'à l'époque, je faisais ça et tout le monde kiffait. J'étais tous contents. Ils me disaient, c'est quand tu fais une prochaine course ? T'es chaud ? Je suis chaud. Franchement, je suis chaud. Ouais. Samedi soir, tu me dis à quelle heure, etc. Et tu fais ça carré. Et puis, parle-en aux gens, comme ça, ils viennent prendre leur location. Et puis. Tranquille, au moins il les réserve, toi, pour samedi, tu vois. Ouais. Je pense que je vais aller au Bénis, je vais parler un peu à tout le monde. Et le cash price, c'est quoi à peu près ? Le cash price, ça va être en fonction du nombre de véhicules qu'ils ont reloués. On essaiera de, tu sais, les 30%, je les donne, moi, à chaque fois. Vas-y, ok, on fait comme ça. C'est bon ? Vas-y, c'est good. Ok, bon, en attendant. Et là, pour ça, tu voulais quoi ? Je sais pas, un véhicule de luxe. Mais genre super sportive ou bien plus. Super sportive. Ouais. Il y a de nouveaux modèles là si tu veux. Je vais te montrer. Sinon, t'as celle-là, t'as la champion. Après, bon, esthétiquement, c'est pas fou. Non. T'as celle-là qui est à la fois sportive et classe, tu vois. Oh ouais, c'est pas mal. Mais et vraiment, après, t'as celle-là. Celle-là. Ah ouais, ça a pas rigolé. Hein. C'est bon. Ah ouais, c'est bon. Ah, tu l'as vendu ? Ouais, mais la couleur, je peux choisir ? Bien sûr, tu peux choisir, frère. Comme ça. Oh là là, ouais, comme ça. T'as vu comment je suis speed ou pas ? très. Je suis trop speed ! Tu connais ton métier ! Incroyable ! C'est combien la location ? Là, avec le pack performance plus double des clés, tu veux un double des clés ? Ouais. Du coup, là, on est à. Normalement, on a 8200, mais 8000, c'est bon. Vas-y, c'est bon, ça me va. Et voilà, monsieur Abid. Eh bah, écoutez. Client fidèle, hein, quand même, hein. Ça m'évite de les acheter, au moins je peux changer de véhicule à chaque fois. Je suis à vous dans 30 secondes. J'arrive. Vas-y, bah, je te laisse. Mais vas-y, Abid, si tu fais un truc, sort, tu me dis, hein. Vas-y, si tu veux un truc, tu m'appelles. Vas-y. Ah, salut. Mais en fait, c'est pas sa voiture, lui. Il fait le trimmer en ville, laissez même pas ses voitures. Alors, dites-moi, monsieur. Enfin, c'est nous les cartes. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Un rose, un blanc ? C'est le rose pour lui et le blanc pour moi. Oh. Qu'est-ce que pour lui ? Non, j'arrive pas, monsieur. Deux blancs, c'est possible. Oh, j'aime bien celui-là, en fait. Je veux bien le rouge. Le rouge ? Il est full perf, c'est comme hier. Ouais, ouais, t'inquiète, y'a pas de soucis. Les paiements en liquide comme hier, ça vous va ou pas ? Moi, ça me va, moi, je m'en fous. Hein. 4500. C'est mon petit qui va payer. Ah, c'est un bon. Il fait trop l'ancien, par contre. Hein. Bon, vas-y, monsieur, vous êtes gentil. Oh, comme hier, je la redépose là. Vous avez vu hier que je les ai déposés ? Ouais, j'ai vu. Du coup, à 23h. Ok, les bons comptes pour les bons amis. Merci. Bon. Bah, allez, vous en prie. Merci à beaucoup. Vous. Bah, merci à vous. On est à combien du million là ? On est à 204 000. Putain, il me reste encore 800 000, les mecs, pour sauver ma mère. 800 000 pour payer son traitement. Wesh. Wesh. Ouais, vive la police ! Vive la police ! Ouais, vive la police ! Ouais. Un peu de poignard pour moi ? Ouais. Ouais, ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ouais, tranquille. Tu dates, frère. Ouais, ça va tranquille ? S'embrouille maintenant ou... S'embrouille après. T'es où, là ? Pourquoi tu t'embrouilles ? Je suis au golf, j'ai ces robinets de flic. T'es au golf ? Vas-y, j'arrive. Vas-y. C'est pas le véhicule que j'ai. Non, on est que trois merdes. Si, c'est un coup. Tu peux bouer vous tête. Vous pouvez rester sérieux un peu. Comment un bon temps pour la série, Molly. Laissez la place ici pour le cadet, s'il vous plaît. C'est quoi hier? Mais j'ai fait ça. Une vraie. Toi, t'as fait quoi? Moi, j'ai rien fait. J'ai mangé des pâtes. Qu'est-ce qu'il raconte? Tout seul, en fait, t'es lui. Léna, fais-moi le plaisir d'aller te mettre à côté de Sean, s'il te plaît. Hello. Maintenant, oui. Oh là là, Maxime. Ouais, ça va quoi? Ça va, toi, Richie? Ouais, je t'entends. Ça va? Ouais, je suis là. Où ça, là ? C'est là, Ah ouais, là ! T-shirt jaune. J'ai un de ces véhicules, là. Tu veux voir ? Vas-y, suis-moi du regard. Ouais, je te suis du regard. Du coup, moi, je suis Louis. Mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Non, mais vous inquiétez pas, on s'est habillé déjà. Allez, repos, tout le monde. Hello. Ouais, t'as vu ou pas ? T'es un barreau de la... J'ai mis une glacière.
sur 4 minutes. Et j'ai pris le vélo de mon fils, je l'ai fait, c'est que je l'ai éclaté. Et boum, je l'ai craft. J'ai vu ça cette nuit. Et stylé de fou, hein. Par contre, il est pas maniable, hein. Il y a un truc qui va pas. Hein. Bah, quand je suis viré, après je vais tester. D'accord. Vas-y, ça marche, je peux te dire à tout à l'heure alors. Allez, bon virement. Merci, bon bien. Ouais, ouais, ça va ou quoi? Laisse ta place, ça passe quoi ici? T'es mon nouveau véhicule. Non, mais je peux t'aimer ton nouveau t-shirt, s'il te plaît. T'as vu, il est bien ou pas? Attends, avec le sac à dos. Ça fait 48 heures, on s'est pas vu, tu viens, tu te fous de ma gueule. Non, mais non, mais t'es... j'aime bien ton nouveau véhicule. Regarde ma glacière mobile, regarde. Il y a les petits gants ou pas? Ah, c'est quoi ça? C'est ma glacière mobile. Comme ça, glacière mobile. J'ai pris le vélo de mon fils, je l'ai éclaté en deux. Je l'ai foutu sur... un fils ? Ah ouais, j'ai un fils. Ah ouais, je savais pas. Bah ouais, je t'ai pas tout raconté aussi, ouais. Je peux pas tout raconter. Ouais, mais ouais, tu m'as dit t'attendais le mariage et tout, que tu me racontes. Hein ? De quoi ? T'as pas dit t'attendais le mariage ? Bref, c'est pas la question. Ah ouais ! Tu feras un super... T'avais pas de cravate ? Regarde, la cérémonie de flics. En fait, c'est cérémonie de policier, là. Mais c'est cérémonie de quoi ? Genre, si pas, s'il y en a qui sont virés ou s'ils augmentent de grade et tout. Genre là, il va y avoir du suspense. Eh, Abby, faut que je te parle d'un truc super sérieux. Et c'est pas parce que je marche bizarre que c'est pas sérieux, d'accord? Non, tranquille. Bien, Arthur. J'ai jamais critiqué ta démarche. Ah bah non. Du coup, t'étais où, toi, déjà, avant tout? Moi, pour moi, t'es une grosse. T'es soit une dealeuse de drogue, soit t'es une escort girl. Mais quoi? Non, la vérité, on te voit pas la journée et ni le soir. Donc le soir, je vais être fatigué en vérité. Donc, à mon avis. C'est par là, tu connais. Moi, dans mon monde, soit t'es une dealeuse. Ah, soit on m'appelle. Ouais, allô, c'est Richie. Hop, sauvé par le monde. Oui, allô, bonsoir. Bah, je suis devant Richie, là, le meuble, là, mais y'a personne, c'est fermé. Ouais, ça s'est fermé, croyable. Bah, oui, on a mis une serrure. Eh, tu voulais te balader, c'est ça, la frite? Non, c'est pour visiter. Visiter. Pour aussi, quoi, et pour avoir aussi des cartes. Bah, dis, on a des cartes. Je les loue, ouais, je les loue. Pour en louer un. Mais toi, t'as une voix de pauvre, t'as pas une voix d'un mec qui a de l'argent? Bien sûr, j'ai beaucoup d'argent. Ah, ok. Bah, du coup, c'est 2250 si tu veux une full perf et puis un double des clés pour le kart. C'est pas 2000? C'est 2000 de base, mais avec le pack perf plus le double des clés, c'est 250$ en plus. Après, c'est comme tu veux, si tu veux prendre juste le. Ouais, c'est vendu. Vendu. Vas-y, tu me laisses 10-15 minutes, s'il te plaît? Ouais, ça marche. Vas-y, c'est quoi ton nom? Comme ça, j'aurai juste ton numéro. Ryuk. Ça fait bizarre. Vas-y, ça marche. À tout à l'heure, Ryuk. À tout à l'heure. Qui? Ryuk, je sais pas. Oui. Un nom de viking. Dans mon monde, soit t'es une dealer, soit t'es une escort girl. Donc dis-moi la vérité. Où est-ce que tu passes pendant 48 heures, voire 72 heures? Tu connais. Mais frère, mais t'es malade. Non, mais je devais appeler ma soeur et tout. Non, mais je devais appeler ma soeur, tout ça. J'avais des petits soucis de famille, tu connais. Bah ouais, pendant 3 jours, t'appelles ta soeur, toi. Eh, j'avais des petits problèmes de famille, moi j'ai pas toujours tout envie de te raconter non plus. T'es là, t'as un fils au bout de je sais pas combien de temps là. Bah ouais, bah au bout de 10 jours. Ça fait comment ton fils, vas-y? Ça te regarde pas. Pardon? Ça te regarde pas. Ouais, mais pourquoi t'es tout dans l'évitation, David Copperfield là? Mais ça c'est vraiment un effet d'optique, hein. Je sais pas, c'est quoi. Bon, semaine prochaine. Hmm. Maximum 10 jours. Ouais. Y a ma mère qui débarque. Ouh, comment ça ta mère? Bah ma mère elle débarque. Bah ça y est, elle est pas malade ta mère? Bah si, justement, je vais pas la laisser toute seule à Atlanta. Mais je rappelle comment ta mère? Wesh, tu poses trop de questions, wesh. Mais t'es chelou. Maman wesh, de Richie, ça y est, balaka, wesh. Maman de Richie. Bah ouais, c'est tout. Je crois que j'ai balancé le blaze de ma mère, c'est sacré, wesh. Donc, mais j'ai pas dit. Toi, ta soeur, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Amy. Storf en là, elle balance le blaze. Mais j'en ai rien à foutre. Oh, jaloux. Oh, la Pookie. Oh, c'est chaud. T'as même pas hésité, wesh. C'est un prénom, wesh. C'est trop bizarre. Mais c'est comme si tu me dis Hans, il s'appelle comment? Je te dis Hans, normal. Non, mais Hans, non, Hans, c'est la Pookie. On s'en bat les couilles de lui. Vas-y, Hans, de toute façon, il s'appelle Hessen. Lui, il veut toujours pas assumer, mais tranquille. Ouais, j'avoue. Et il est où d'ailleurs lui? Je sais pas, il est avec sa psychologue là à l'hôpital, il me rappelle dès qu'il a fini. Ah, c'est pour ça qu'il m'a raccroché au nez en mode non, je suis occupé. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Bah, en même temps, tu apparais tous les 25 du mois, toi donc. Oh, ça y est. Non, t'es pas investi, t'es pas assez investi. Quoi? T'es pas investi, tu t'investis pas. Tu t'investis pas dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu me racontes? On a fait la location, ouais. Tu sais que quand tu m'as quitté là, j'étais à combien sur mon compte? 20K. Ouais. Je suis à combien là? Je sais pas, 60. 200K. Allez hop. 200? Eh ouais, ça charbonnait ma gueule. Ah ouais. Eh ouais. Pendant que toi t'es en train de parler avec ta soeur, Ami ou la Babi ou le je sais pas quoi, y'a un mec qui travaille. Quoi? Comment ça Babi? Elle est où elle d'ailleurs? Mais du coup, je sais pas, mais ça va être chaud avec ma mère, wesh. Tu sais que ma mère elle est difficile à vivre, hein. Tranquille, wesh, on va la payer. La cinquantaine, daronne rebeu et tout. Ouais, mais. Ça va être chaud, hein. J'sais pas. Bah, je sais pas, genre, si, imagine, elle me dit non, tu restes avec moi tout le temps, j'ai pas envie que t'ailles travailler, je vais faire comment moi? Bah, et en plus. Tu vas déléguer un peu, wesh. En plus, elle veut se remarier. Hein? Elle veut se remarier. À quel âge? À 50aine. Bah, y'a papy, hein. Si, je t'ai dit à la 50 ans, pas 150, ouais, je t'abuse. Ouais, je t'abuse, il a 80, il est beau gosse, papy. Ouais, 80, ouais, hors taxe, ouais. Ah, lui, il a au moins 95. Attends, il te raconte des trucs de. T'es le Moyen-Âge. Vous vous rappelez avec Jeanne d'Arc et tout? Ouais, Jeanne d'Arc, mon gars, ça fait loin quand même. Non, il me parle de trucs de 1957 et tout. 1957? Ouais, ouais. Mais wesh, mais ouais. Ah, il est ancien, hein. Eh, hey, ouais. Tu sais qu'il était dans cette ville quand Paléto, ça s'appelait Paléta. Waouh. C'est pour te dire, hein.
Ah, c'est quelque chose quand même, hein. Ah ouais, ouais. Putain, le viking. Et toi, tu racontes quoi alors? Bah rien, tu connais, hein. Quoi de neuf? Tu faisais quoi là? La galère. Ah, mais t'as jamais rien à raconter, quoi. Eh, gros, tu veux que je te raconte quoi? Je me suis réveillé, je suis venu te voir. Ah ouais, t'es arrivé de quoi? Ouais, j'ai vu, tu m'avais appelé, je me suis dit, mais non. Ouais, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit, ouais, je suis là. Ah, je t'ai envoyé un message, je t'ai rappelé. Mais ouais, je suis plus là. Oh là, je joue au cache-cache, la meuf, c'est grave. Mais je suis là, tu vois bien, là, je suis là. Bon, regarde-moi, là, je suis là. Nous, hier, on est parti à Caillou. Ah ouais? Ouais. Ah oui, d'ailleurs. Ouais. Y'a toi, Habibi, là, qui va peut-être passer lieutenant aujourd'hui. La bonne barrec. Ah ouais, ok. Il faut peut-être gratter un petit tour, Caillou, t'as capté? Comme ça, tu prends ton billet. J'ai pas dit que t'es une escort girl, oh là là. Non, bah non, c'est pas du tout la définition, t'as okay, vu. Ok, ok, imagine. On a Caillou Perico. Ok, j'ai une question. Mmh, si ouais. On te propose d'aller à Caillou Perico, t'y vas ou pas? Bah ouais, je suis jamais allé. Bah voilà, bah ferme ta gueule alors. En plus, là, on paye pour toi. Ouais, je t'allais chelou. J'ai vraiment envie de t'insulter, c'est très très violent. C'est ça, wesh. C'est trop grave. T'es chelou. On dirait que je vais pas y aller. Ça, de base, t'as envie d'y aller. Et là, en plus, si tu vas avec un mec, en plus, vous allez quand même partager des trucs. Une voiture volée, une course poursuite, un tapissage. Vas-y, ça c'était. Je sais pas, d'ailleurs, faut que tu me racontes, c'est quoi cette histoire alors? Truc volé, je sais pas quoi. Tu sais que moi j'ai une mémoire courte hein, quand je fais des conneries. Bah justement. Ah ouais. Genre, tu m'appelles, je suis en plein dans le deck dans lequel tu m'as emmené, et d'un coup tu me dis, prends la voiture, casse-toi, je sais pas quoi. D'ailleurs, tu as de l'argent, tiens. Ah ouais? Ok. Moi je le prends. 50$. Tiens. Ah bah. Ah oui, d'accord. T'as cru, j'étais qui? Oui. Ouais, t'as oublié? Hier, et dis-toi. Hier, j'ai vendu des paires de ciseaux, devine à combien? Des paires de ciseaux, hein. Paires de ciseaux. Je sais pas, 10K. 30 000$. Non. Je lui ai fait croire que c'était celle de Michael Jordan et de Tupac et de Biggie. Celle qui avait coupé en dernier ces trois-là. Mais à quel moment c'est des ciseaux? Ben en fait, c'est super rare de trouver des ciseaux collector comme ça en ville. Il y a encore des poils dessus. Regarde-moi bien. C'est mes poils à moi. Collector. J'ai vendu des katanas. 10 000$ le katana. J'ai vendu des bâtons lumineux. Ah oui, d'ailleurs, aujourd'hui, 23h. Je vais te dire un truc, hein. C'est trop bizarre. Et les O'Neill, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, ouais, est-ce que vous louez un hélicoptère? Je fais, ouais. Et genre, mais... Ah, mais ça, je m'en souviens, ça, j'étais là. Ouais, mais t'as capté, le truc des bâtons et tout. Ouais. Et bref, hier, je crois que c'est leur daron, leur frère, il est venu, il m'a reconfirmé s'il pouvait pas aller tout seul dans l'hélicoptère. J'ai dit, non, c'est mort, je serai là. Il me dit ok, du coup là on a rendez-vous 23h à Marina, enfin 22h50. Ouais, mais tu leur as dit c'était pas un truc chelou. J'ai dit, après ils se démerdent, hein. Moi c'est pas un problème. Hein. Ouais, moi, s'ils font un truc bizarre. T'as vu, toi tu m'as embarqué dans un truc avec Ben Barek et j'étais dans sa voiture et tout. Après j'ai dû aller à la police, je sais pas quoi. Ouais, mais c'est rien ça. Là mon ref, si on est dans un braquage bizarre. Tu veux que je te raconte. Je te raconterai plus tard une histoire de fou. Vas-y. Pourquoi est-ce que j'ai des super pouvoirs? Vas-y, raconte. Mais plus tard, pas maintenant. Quoi? Ça va me faire mal au cœur. Tu fais le mec mystérieux là? Je peux pas en dire plus. Ok, d'accord. Vas-y, viens, on va assister au truc. Vas-y. Marche un peu, faut voir. Quoi? T'as pris du cul un peu en vérité, hein. Mais ça va pas ou quoi? C'est vite fait, hein. Loufa, pendant 3 jours, t'as bien mangé. Bah, j'ai graille, wesh. Normal, j'ai pas trop bougé. T'as rien pris du tout, toi. Moi, j'ai pris que de l'argent. Plus méchant. C'est quoi un 10-44? J'étais marre. Un 10-44, c'est quand il y a un braquage dans un domicile. Ouais, c'est chaud. Bien, faut pas être plus méchant que ça. Ça crée beaucoup là-bas. Ouais, il est passé, allez, il a été promu. C'est flic Toufik. D'accord. Attends, je vais l'appeler. Ah, c'est Toufik. Le haut de Ricky. Félicitations. T'es un bon. À toi la glacière. Ah, oui, merci. Si. Ouais, je suis là, mais on est en cérémonie au golf. Vas-y, ramène-toi. Je vais pas passer par quatre chemins. Vous faites du bon boulot, vous êtes assez discret, c'est ce qu'on aime dans l'état-major. Et c'est ce qu'on veut. Donc félicitations, vous passez officier 1-0-2. Merci, station. Vous êtes sur une bonne ligne. Ça se fait avec une bonne location, ça. Ah ouais. J'aime le nord, tu vois. Sur des sous-portes. Côté commercial, ça. Le business, toujours le business. J'ai bien vu. Salut. Yo. Yo, la cité. Yo, comment je m'appelle Hassan. Berner, le seul et l'unique. Mais respect. Non, t'es pas. Attends, je vais essayer. Après, pas maintenant. Comment ça, j'arrive? Yo. Yo. Je m'appelle Hans Werner. Je viens de Berlin, mais en fait je m'appelle Hassan. Je mange le khliam à le bait à sbah. Ouais, j'adore le msemen ou le hassel. Moi, le seul et l'unique. C'est plus Hans Werner, c'est Hassel Werner. Ouais. J'étais pas en ma psy, en fait. Alors, ça dit quoi? T'as dit quoi? Je vais faire des efforts sur le respect et d'arrêter de dire les paysans. Mais respect. C'est bien. Tout ça pour ça? Tout ça pour dire pas les paysans, mais tous les autres que tu dis, il y avait pas un problème. Frérot, attends, tu vois une conseillère d'éducation ou une psychologue? Non, je jure, c'est pire. Non, mais elle m'a appris beaucoup de choses qui restent entre vas-y, moi. Vas-y. C'est quoi? Non, c'est toi, c'est nous, wesh. Arrête tes bêtises, non? Attendez, laissez-moi regarder. Toi, c'est toi. Et nous, et tous ceux qui le veulent, Hassan, Werner, arrête de faire l'allemand, espèce de menteur. Allez, je regarde là.
Vas-y, vas-y. On va parler du contrôle, de l'imprévisible, du nouveau, de l'ego menacé. Et, ça m'a saoulé. Non mais c'est vrai, je vous jure. Non, parce que je me suis confié à elle par rapport à... Moi j'ai une information. Je crois qu'il s'en bat les couilles, je me suis remarqué. C'est bon, ça quoi. Ça psychologue, je m'en bat les couilles. Déjà, Deus, donne un peu. C'est quoi? Quoi? Lose. You lose. You lose, babe. Hans. Ouais. Alerte rouge. Quoi? D'ici 10 jours, il y a ma mère qui arrive. Ah ouais. Attends, Hans, demande-lui comment elle s'appelle. Tu vas voir, tu vas prendre une patate. Attends. Ouais. Il y a ma daronne qui va arriver. Celle qu'il faut sonner? Celle qui est malade, miskina. Je vais pas la laisser toute seule, du coup, je déballe bien ici. Comment elle s'appelle? Ouais, c'est maman de Richie, commencez pas à poser de questions. Non, mais non, c'est mort, c'est mort. Dites-moi, bah je vous ai dit le nom de ma mère. Mais ta mère, c'est une pute, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai, mais alors... Tout le monde connaît son prénom. Oui, mais alors, elle a le droit d'avoir un prénom... Bah, c'est quoi? Bah, c'est quoi le prénom de votre mère? Bah, vous lui posez la question, quoi, ça sera là. Ça sera bien, non? Ouais, vas-y, calme. Ah, bon, d'accord. Madame Ricci. C'est madame Richie. Mais non, t'as ton nom de famille là, j'avais vu ta carte d'identité. Archibald. Voilà, Archibald. Eh, hey, quand vous la croisez, vous faites un bisou sur la tête. D'accord. C'est chaud, ça. Sur le front, wesh. Comment ça, c'est chaud? Bah, sur le front. Moi, je le respecte, ma gueule. C'est bizarre, ils vont faire des bisous. Mais... Quoi, tu veux que Hans y fasse un bisou sur le front à ta mère? Comme bah ça, ouais. Salam alaikum. Hop, t'arrives, tu fais bisous. Ouais, c'était le respect, wesh. T'es sérieuse, toi? Bah, oui, normal. Vous connaissez pas, vous? Bah, si, carré, mais bizarre un peu. Pourquoi c'est bizarre? T'as vu sa gueule, lui, là? Mais tranquille, oui, c'est un être humain quand même. Je vais te gommer, toi. Hein. Après tout. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête. Ah, t'es pas sûr. Ici, pas ici. Voilà, pas ici. Ouais, Hans, ça va être chaud. Sa bandoulière, là. Pardon. Je sais pas, elle est compliquée à vivre et puis je crois qu'elle va se marier, là. Oh non, vous savez, je lui ai dit, on sait même pas si tu vas survivre, tu veux te marier, toi, t'es chelou. Mais après, c'est peut-être pour ça, t'as vu, elle veut peut-être profiter de la vie parce que tu vois. Non, ça a l'air d'être une dame assez sympathique. Comment ça, tu la connais? Non. Bah ouais, non, mais pourquoi? Comment ça? Toi, tu la connais pour dire ça? Moi? Ouais. Ah non, moi je lui demande juste s'il la connaît, c'est bizarre un peu. Non, mais vu le caractère de Richie qui a le cœur sur la main, c'est ça le rend. Ah ouais. À mon avis, elle doit être pareille. Le cœur sur la main ou la main sur le cœur? Main sur Laura, ouais. La main sur le portefeuille, ouais. Ouais, surtout, ouais. Dans le portefeuille des gens. Main dans la poche. Et après, j'ai une grosse annonce à vous faire. Allez, c'est parti. Au fait, l'argent. Les ah ouais, c'est vrai. Tiens. Oui. Attends, j'ai fait tous les calculs, Tu sais, moi aussi, je fais tous les calculs de mon côté. Et ce que je demande. Allez, tiens, on en parle plus. Tu sais, tu me donnes de l'argent, Antin. Ah, merci. C'est ce que je voulais, moi, en plus. Tu te souviens que tu me donnes de l'argent? Pourquoi? Quoi? J'ai juré que tu me donnes de l'argent. Combien? Hans, tu sais quoi? Elle m'a tout avoué, Abby. De quoi, elle a dit quoi? C'est une escort girl. Une escort girl. Pute. Ouais, t'as vu? C'est exactement ce qu'on dit. Ah, mais bon. Oh, putain, et il s'accroît bien. Ouais. Le timing, il est incroyable. Comment il fait, wesh? Je sais pas, c'est très rapide. Ah, putain! C'est maîtrise à la main. Non, mais frère, t'as vu, on est d'accord. Elle disparaît 2-3 jours et puis revient du normal. T'as cru, nous, on était quoi? Des pigeons ou quoi? Et en plus, blehchma, ça demande de l'argent. Mais t'as craqué, toi? Il a payé sa moto et il me doit de l'argent en plus parce qu'il a perdu en Paris. Ah, bah la moto, c'est autre chose. Ah, voilà la moto. Attends, la moto, elle coûte combien? 20 000, non? Non, 16 900, mais je lui ai demandé 4 000. Pourquoi, Hamar, tu prends une moto à 16 000? Écoute, 4 000 et tu me dois 10 000 dollars à la base. Donc tranquille, ça va être un 10 000 en tout. Waouh! Ouais. Putain, mais Hans, c'est chaud en vérité. En plus, je déduis, hein. Je suis gentil, franchement, je suis gentil. Ouais, par contre, Abby, attends. Ouais, oh, si tu veux qu'on fasse les calculs, à quel moment tu le protèges? Parce qu'il t'a quand même passé 4005. Non, il m'a pas passé, t'as vu? C'est moi qui t'ai passé la moitié des 9K qui m'a passé. Bah ouais, bah je l'ai protégé hier. Pardon? Non, avant-hier. Pardon? Ah ouais, avant-hier. Avant-hier. Donc, un jour sur 7, quoi. Ouais, bah c'est bon, tu te rends de l'argent, moi. Bien sûr, tout à fait. Allez, 4000 divisé par 7. Attends, on fait des calculs, wesh. T'as vu les femmes, hein, c'est dès qu'on parle d'argent, il n'y a plus personne. Hein. C'est les billets, ça, comme ça. C'est les escortes, ça, ils ont problème avec l'argent. Mais... toi, là. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Allez-vous-en. Ah bon, t'es sûr? Laissez-moi tranquille avant que je vous goume. Oh, mais c'est ça son problème. Ah, mais... il est bien pressé que tu sois dans ta du coup, faut que tu nous en parles à peu près du coup de ta relation avec Ben Marek, si on est où là? Bah, en fait, je sais pas, j'ai pas de relation avec lui. Allez, arrête, wesh, c'est bon, on a très bien vu. Non, je t'ai tu l'as protégé. Attends, Hans, t'as vu quand il est tombé dans les pommes et tout? Mais ouais, eh, j'ai juré, il est trop bizarre ce mec, c'est bon. Qui c'est, qui est bizarre? Bonne barre, il est bizarre. Pourquoi il est bizarre? Je sais pas, genre d'un coup il me parle, après il me parle plus, ça y est, wesh. Mais justement, parce qu'il y a des sentiments. Rien du tout, on allait un date, qu'est-ce que tu me racontes? Je te jure qu'à chaque fois qu'il me croise, il me dit des nouvelles d'habits? Des nouvelles d'habits? Ah quoi? Termine tes phrases, wesh. Bah, wesh, ça te demande à toi, pas à moi. C'est vrai qu'il demande beaucoup de nouvelles. Non, c'est vrai, je rigole. Mais certainement, mais à vous, pas à moi. Normal, il ose pas, il a peur de ta réaction. Pourquoi il ose pas? N'oubliez pas. Bah, parce que tu l'impressionnes, peut-être, j'en sais pas, avec tes pecs, j'en sais rien, moi. Non, mais c'est par rapport à son ex-femme. Arrête déjà que t'es pecs. Oh, je te jure, c'est trop, wesh. On a plus que moi. C'est par rapport à son ex-femme. J'ai tout plus que toi, physiquement. Non, là, regarde, avec le t-shirt, on dirait que j'ai des pecs. Regarde. On dirait que j'ai des pecs avec le t-shirt, regarde bien. Regarde bien, enlève le sac aussi. Regarde bien. Ah ouais. Touche pas, tu vas te casser un doigt. Ouais. C'est fou quand même, t'as un corps un peu de lâche, mais tu donnes des patates de forain, c'est incroyable quand même. Ah, c'est vrai qu'il m'a envoyé un peu de répéter ce que t'as dit là.
Non mais je vous jure, il m'a mis une droite avec mon fauteuil roulant, je suis reparti en Allemagne direct. Ah oui, c'est vrai. Je vous jure, ouais, c'était fauteuil roulant. C'était Hassan Airlines. Ah oui, je suis en fauteuil roulant à cause de lui là, mais là ça m'a mis. Oh, il a voulu faire un saut parachute sans parachute, ce con. Non. Ah ouais, mais non, c'est pas vrai. J'ai voulu l'aider, je l'ai poussé. Ah la vérité. Bah ouais, c'est tout. T'as voulu l'aider, ouais. Vas-y, attends, on va voir si Ben Barré qui passe. Tu dois passer le lieutenant. Ok, regardez discrètement, vous voyez le japonais là-bas. 92, 72, attends pas. Ouais. Discret, discret. Oui, oui, discret. Ah oui, discret. Une fois, j'étais en train de discuter, je vous jure que je l'ai pas provoqué. Il a parlé radio, il a dit ah d'accord, si je vois Hans, je tire à. Je tire direct. Et il m'a tiré dessus. Bon, vous trois, on a vous quatre, on a pas grand chose à vous dire, d'accord. Vous êtes fait du travail qu'il faut. Merci. Des choses à dire, quoi. Merci mes gardes du corps. Alors on a qui? On est à 70. Ouais, donc 70, je dirais que vous faites du bon boulot. Là, il y a un problème présent ces derniers temps. Non, une baraque, il a voulu tirer sur Hans, à vue. Il a dit, okay, je le vois, je le tire dessus. Comme ça, et je viens de tes conneries, toi. Bien parti. Oh, t'es ma frère. Non, mais je vous jure, il l'a fait. C'était hier, la voiture. Ouais, je t'aime comment il est planté. Traite de menacer Hans la prochaine fois, d'accord? On est du respect pour la hiérarchie et pour les collègues et pour les concitoyens, d'accord? Manquer de respect à son commandant, c'est aussi manquer de respect pour l'SPD. Merci beaucoup. Merci. J'ai bugué là. 38, vous savez, il a démissionné tout à l'heure. Pourquoi? Mais t'as mal au yep quand tu marches? Non, pourquoi? Ah, je sais pas, on dirait que tes chaussures elles sont trop serrées, non? Quand c'est pas mon t-shirt, c'est les chaussures. Quand c'est pas le t-shirt, c'est ma dégaine. Quand c'est pas la dégaine, c'est les pecs. Quand c'est pas les pecs, c'est mes cheveux. Quand c'est pas les cheveux, c'est mon bob. Quand c'est pas mon bob, c'est ma sacoche. Quand c'est pas ma sacoche, c'est mon sac à dos. Sacoche, oui. Bah oui, justement, là j'ai pas de sacoche. Si, ta petite sacoche là. Et là le truc. Je peux essayer? Ouais, vas-y, je te fais une facture. Quelle facture? Bah 500$. Oh, le gros cul, ça fait POUM! La vache! C'est horrible! Oui, oui, c'est. Non mais à conduire c'est éclaté. On est d'une humeur joyeuse là, retournez-vous et chantez une chanson s'il vous plaît. Quoi une souris verte qui courait dans l'air. Je la m'attrape je la m'attrape pas. Ouais le rat tu m'as appelé. Bah ouais tranquille toi, ça raconte quoi? Bah rien de spécial. Bah ouais justement. Dis-moi tout. Bah toi dis-moi tout, ils sont mes 10K, business de fou, photo de pièces. Ah oui mais attends, c'est que hier soir il y a eu une petite... comment dire? Hier soir il y a eu... Ouais. Hier soir j'ai eu un petit inconvénient, j'ai dû partir tôt. Bah, mais vas-y, t'inquiète, je te ramène 10K ce soir. Vas-y, vas-y, ça marche, je fais comme ça. On allez. Fait ça, vas-y. Allez, bon je te recontacte, vas-y. Vas-y. Ouais, je vous arrive... Mais il vous arrive quoi, vous? Tu goumes quoi? Mais non, mais lui, il arrête pas de me menacer aussi. Elle m'a enlevé ma casquette. Tu te rappelles, Icy, qui devait faire des nudes de pied pour 10K? Ouais. Pardon? Ouais, ouais, elle m'a proposé un business à base de nudes de pied. Apparemment, ça lui a rapporté 50K en une soirée. Et je dis, bah écoute, ramène-moi 10K ce soir et puis j'investis dans ton business de nude. Mais c'est des nudes de pied, tranquille. Mais c'est des nudes de pied. Faites-vous lancer. Des photos de pied. Ah ouais, Richie, je te vends bizarre là. Bah quoi? Et tranquille, c'est des photos de pied, wesh. Moi, je les vends, je les consomme pas, je m'en bats les couilles. Oui, mais après, c'est bizarre un peu, tu vas dans des business chelous. Non, mais c'est vrai qu'il est payé à la Bollywood, vu que. Ah ouais. Ça vaut cher, hein. Vous avez mangé quoi ce soir? J'ai même pas mangé. Parlons bien. J'ai même pas mangé, j'ai même pas mangé. Quoi? Et toi, ah ouais, j'ai pas mangé moi. Moi j'ai mangé de la loubia. Tu connais, c'est un plat spécial. Oh, ouais, tous les jours loubia. C'est normal après pendant 3 jours on te voit plus. Ouais, j'étais bloqué au chiottes en vrai. Et les ouais, j'ai appelé ma soeur, j'ai fait ses noms, elle était bloquée aux toilettes, c'est tout. Tout fait de la même pièce, ouais. Oh là là, moi j'ai mangé du poulet avec des poivrons, de la pomme de terre. Vous avez mangé le poulet? Et le poulet au four. La cocotte. Tu vois là c'est Hassan, dis pas non. Oh, non. Hassan, la vérité. Mais arrêtez. Arrête de toi. Ouais, non mais t'as des petites. Non mais choisissez maintenant. Je suis Hans ou Hassan? Hassan. Vous abusez. Hassan. Bah ouais. Pourquoi ça devient Hassan? Bah ouais, il est fou. Oh, mais je suis allemand. Ouais, c'est allemand. Allemand de Khaled, gars. À la Deutschland. Oh là là. Tout à l'heure, j'écoutais que des anciens classiques de Cheb Mami, Faudel et tout, laisse tomber. Ah ouais, bah t'abuses. Bon, les souvenirs s'éveillent. Vous êtes vraiment pris pour des petits bourges de golf, c'est un truc de fou. Oui, on adorait faire ça, moi et mon père. Ouais, moi aussi. Ton père, Abdelzar ou Hamid? Robert Werner. Hammo, ouais. Et mon père s'appelle Robert, oui. Hammo. Robert et Henriette, oui. Henriette, ouais. Ça s'appelle Rabia, ouais. Non, t'as pas, ouais. S'appelle comment, Richie? Fatiha Werner. Ça s'appelle Fatiha ou Rabia, je me rappelle plus. Ah qui? Qui? Bah t'as Daron. Non, c'est Loubia. Mais non, mais wesh. Ah ouais. Vas-y, on va passer à la banque. Comment ça, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Eh, hey, j'ai 300$. Richie, oui, me paye que dalle. Allez, tiens. Oh, t'as un menteur, Hans. Bah, il m'a donné ma part. Non, vas-y, je te donne combien? Fais le calcul, vas-y. En vrai, pour de vrai? Ouais, en vrai, pour de en vrai. En vrai, ce que je vous demande, c'est pas un combat, vraiment. Combien? Vas-y. Donnez-moi 5000. Mais t'es un baiser, toi. Mais
voulez que je vous dise tous les prix qu'il y a? Mais je te jure, t'es un baiser, il a dit 5000. Non, écoutez-moi, la moitié de 2000, la moitié de 10 000, la moitié de 8000, la moitié de... Attends, pourquoi la moitié de 10 000, pourquoi? Non, 10 000, non, supprime, pardon. Vas-y, venez à côté de la banque, là, à 600 mètres, là. Allez, go. Demain, j'aurai de nouveaux véhicules en location. Tu verras quoi? Tu verras. Faudra être là. T'inquiète. Ouais, bah non, t'inquiète. Bon, je m'inquiète plus maintenant. T'inquiète. Tu sais que t'es une escort girl, c'est bon, tu fais ce que tu veux. Arrête de... C'est la vérité, tous les temps vous faites des escortes. Écoute, lui c'est Hassan, moi c'est le rat, toi c'est l'escorte, c'est tout. Mais je suis pas une escorte, wesh. Mais je suis pas non plus un rat, mais pourtant tout le monde m'appelle le rat, c'est comme ça. Bah non, wesh, c'est toi qui t'appelles le rat. Non, mais c'est vrai, sacrée équipe. Bah ouais, l'escorte, le rat et Hassan. Je suis pas une escorte. Bah je suis pas un rat et c'est pas Hassan, mais bon, c'est comme ça la vie. Alors, on te doit quoi, Hassan? Ça, on te doit, moi il me doit. En fait, c'est un domino là. 3000? Vas-y. Comment ça, domino? Je vais pas vous donner. Ça, tu vas pas me donner? Non, mais. Ouais, ah d'accord. Ok, s'il te plaît. Donc, je t'ai prêté de l'argent, tu me le rends pas. Si, je vais vous le rendre. Et après, tu fais un pari avec moi, tu me dis ah, pour 10 000 dollars, 10 000 dollars. Écoutez. Regarde à quel point je suis un bon. Boum. Merci beaucoup. Oh. Merci. Hop, boum. Écoutez, le 17 janvier, j'ai 50 000 dollars. Quoi? Attends, pardon? Excuse-moi, t'as dit quoi? j'ai mal entendu. Non, j'étais à côté de la clim, c'est pour ça. Moi aussi, je fais du business. Attends. Panda, j'étais au téléphone avec lui, j'allais vous en parler. Non, je vous jure que j'allais pas vous en parler. Écoutez, Panda m'a dit le 17, il me donne... Enfoiré. Non, l'appelle pas, il me donne 50 000 dollars. J'allais pas... Ouais, Hamid, ça va quoi? Pourquoi? Ouais, ça va et toi? Ouais, alhamdoulilah, on est là. Bon, je tiens à te dire que j'ai prévenu énormément de monde. Hein. J'ai prévenu les familles, j'ai prévenu et j'ai bien insisté. Je peux pas les obliger à louer un véhicule, mais j'ai dit pour avoir plus de chance, aller louer un véhicule comme ce type de véhicule que j'ai loué chez Richie. Ok, nice, ok, nickel. Donc voilà. Si, wow, t'imagines 30 fois 8000, bon, je suis bien de fou, hein. Oh là là. Incroyable, non? Je vais me mettre bien. Même si t'as 5 véhicules loués, c'est déjà pas mal. 240 000 dollars, boum, en une soirée. Incroyable. Du coup, voilà, c'est bon. Vas-y, là, t'es un bon. Il reste encore les brokers, tout ça, mais. Vas-y, même vas-y. Toi, samedi, si tu veux, participe. Hein. Vas-y, je verrai en fonction de ce que j'ai à faire, ouais, je le ferai, ouais. Vas-y. De toute façon, je dirais au pire à Hans de participer ou bien à Abby ou quoi, tu vois. C'est pas un pilote, hein. D'ailleurs, Abby, elle est là si jamais tu veux la gérer ou quoi. Non, laisse tomber. Trop gang. Ah ouais, c'est... après non, elle a changé, elle s'est habillée différemment maintenant. Elle a mis un petit haut, on voit son nombril, elle a des pecs qui ressortent et tout, laisse tomber. Hein. Je te jure, une dinguerie. Ça me paraît bizarre venant d'Abby. Hein. Je te jure, viens dans 5 minutes à l'entreprise, tu verras. Tu vas rigoler. Moi, je me souviens qu'Abby, la dernière fois, elle m'a mis une tape. Elle m'a mis une tape. Je te jure, elle a fait un chignon et tout, laisse tomber. Pas mal, hein. Ok, vas-y, j'arrive dans 5 minutes. Bon, Abby, j'ai un client pour toi là. Je t'ai pas prêté 10 000, tu m'as dit, s'il te plaît, pour 10 000 dollars, tu montes sur ma moto. T'es monté sur ma moto plein de fois. Attends, et du coup, Hans, attends, on fait un. Et du coup, pour les 50 000 de Panda, ça se passe comment? Ah ouais, vas-y, explique-lui. Bah, en fait, le 17, il m'a dit, je sais pas pourquoi ce 17-là, j'ai envie d'être gentil, il m'a appelé, il m'a dit, je te prête 50 000 le 17, promis. Je te prête? Il me donne, pardon. Ah, ok. Abby, j'ai un client pour toi qui arrive. C'est qui? C'est Hamid? Ouais. Pourquoi il veut quoi? Je lui dis que t'étais bien habillé aujourd'hui, et on verra ce qu'il fait de tôt. J'avoue, vous êtes bonne. Quoi? Ouais, non, mais attends. Non, là, on va se battre, je te jure. Le rat, Hassan, et l'escorte. Mais. C'est nous. Non, moi je me casse. Abby, revenez, c'est bon. C'est bon, il ne tape pas. C'est bon, je me suis pas énervé, wesh. T'es quand même une sale race, hein. Regarde la confiance. T'es quand même une sale race, hein. Pourquoi je suis une sale race? Je te ramène des clients pour que tu chopes ton billet et tu me tapes. Je chope mon billet de quoi? Je suis pas une tempe, je t'ai déjà dit. Mais écoute, ces noms-là, c'est entre nous, on s'en bat les couilles. Mais si, c'est parce que on sait très bien que t'es pas une escorte. Mais c'est très bien que je suis pas un rat, non? Ah, bah oui. Bah voilà, et lui, on sait très bien que c'est pas Hassan. C'est inside joke, t'as capté, c'est entre nous. Oui, c'est nous, yo, la cité. Yo, la cité. Du coup, 50k, ok, bah... Yo. Attends, tu vas donner combien du coup, sur les 50k? Oh. Hein? À vous, ouais. J'étais concentré, excusez-moi. En vrai? Bah en gros, tu gardes 20k et tu nous donnes 15-15. Bah, c'est bon. Hein? 20, 15, 15. Bah sur les 50k, on les partage comme ça. 20 et 15, 15. 20 pour ouais, toi. J'avoue. Et 15. Ah bon, c'était pas 10k pour moi et le reste pour moi, c'est pas ça? Ouais, quoique en vérité. Ouais, 10 pour toi et 20 pour moi et 20 pour elle, ouais. Ça bah, en aussi. Fait, non, vu que Alba, elle s'est fait goumer par plein de garçons et qu'elle doit récupérer, on va lui donner plus pour elle. Alba? Tu m'as appelé Alba? Mais Alba, elle est obsède, en fait. Le motif de guerre. Non. Comment elle s'appelle déjà? Abigail, voilà. C'est qui ça? Abby? Non, Abby. Ah oui, Abby Bloom. Ouais, je suis Abigail. Je sais pas, Wesh, ta casquette est trop serrée. Il est en période de transition là, je crois. Il est en train de muer comme un serpent, il sait plus où lorsqu'il en est. Putain, tu changes de peau tous les jours en même temps, c'est normal. Eh oui, c'est vrai. Non, allez, c'est bon, 10 000 pour moi et le reste pour vous. Yes!
C'est bon? Putain, ouais, c'est super bon. Vous êtes sûr, c'est ça, c'est équitable. Ouais, hein. Si, 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 c'est bon, c'est parfait. Vous êtes des bons avec moi, mais vraiment. Attends, t'as dit combien en fait? Bah, 10 pour lui et 20 pour nous. Non, c'est bon, c'est ouais. Ça. Ah, ouais, c'est bien. Ouais, c'est après, c'est moi, je repartagerai. En fait, après, moi, avec les 20K, tellement je suis un bon, je vais donner 10K à Abby et elle, me donnera 10K. Du coup, ouais, on sera ouais. Encore plus équitable. Ah, ouais, comme ça, en plus, on... ouais, bah oui, ça fera 10K, 10K, 10K. Du coup, on aura tous 10K. Top. Ok, c'est bon pour moi. Et ouais, bon. Nickel. Ah, vas-y, go l'entreprise. Vas-y, allez, go. On appelle. Franchement, les bons comptes font les bons amis. Eh oui! Tu allais faire un truc avec LSO. On va faire quoi? Bah, trouver un appart, t'as vu, parce que je suis à la rue en fait. Mais je te fous résident, viens. Vas-y, on peut le faire maintenant? Ah, si tu viens, c'est bien faire maintenant. Vas-y, let's go. Que des crevards là, vie de ma mère, c'est un truc de fou. Vas-y, je te suis. Eh, j'ai déjà un clochard chez moi, il s'appelle Hans. J'ai une deuxième clochard qui arrive. C'est moi. Voilà, Hans, il me donne pas d'argent en plus, hein. De quoi? Il t'a pas payé? Non, il m'a pas donné. Eh, tranquille, c'est pas grave. Moi, les toits, je peux pas payer. C'est ça, c'est tranquille. Et un toit, attendez, mais vous êtes sérieux là? Bah Hans, tu vas pas payer pour l'appart. Bah j'y paye ton loyer, toi tu dis vous êtes sérieux, mais oh. Mais... il a combien le loyer déjà? Il est à 2004, tu te rappelles, pour x2 je crois. 2100 x2. C'est pas 2008? Non, pas 2008, wesh. Enfin, non, c'est 2100 ou 2200 maximum. Allez, venez les loulous, là. Allez, viens là. Oh, j'arrive. Ah wesh. Attends. Wesh. Mais Hans. Mais il est con. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'avais un oiseau qui est passé, je l'ai regardé. Un oiseau qui est passé, tu l'as regardé. Ah ouais. Arrête de regarder ce oiseau, c'est wesh. Un gros piaf, hein. Il a baissé ma caisse. Oh non. Oh le fils de Théma. Astaghfirullah. Oh, bah, je suis désolé, non. Ça va passer au bénisse, ouais. Je suis désolé, je voulais pas. Ça va passer à la facture, ouais. Ouais, bah la facture. Vas-y, viens, Abby. Oh non, sérieux. C'est K2. Ouais, c'est K2. Ouais, je savais, je pensais ça. Putain. Bon, venez, on va aller les portes, après on verra. Attends, les portes. Mais non, on peut pas tous y aller parce qu'ils seront déjà deux. On faut que être quatre dans maximum dans l'hélicoptère. Bah vas-y, moi je fais le truc de LSM et je vous rejoins. Vas-y, ça marche. Vas-y. Tu penses qu'ils vont faire une dinguerie avec l'hélicoptère ou pas? Parce que ah, ça. C'est le Léonil, là on a rendez-vous avec Léonil là. Ils me cherchent eux. Comment ça? Bah la fois ils sont venus à côté de moi, ils ont... C'est pas lui le petit riche qu'on doit soulever? J'ai entendu ça. Bon, vous inquiétez pas, ils sont déjà là. Non, c'était pas eux, ça va. Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir. C'est vous pour l'hélicoptère? Oui, c'est moi. Et nickel. Lui. Ouais. Parfait. Vous, c'est quoi vos noms et prénoms, s'il vous plaît? Et moi, c'est Lily. Enchanté, et monsieur? Moi, c'est Vin, moi. Bonsoir. Vin. Ok, super. Oui. Est-ce que vous avez des contre-indications quelconques pour le vol en hélicoptère? Qu'est-ce que ça veut dire? Genre, est-ce que vous avez par exemple le vertige? Est-ce que vous avez le mal de l'air? Je sais pas, j'ai jamais monté. Bah, moi, nickel, parfait. Bah, on va découvrir ça ensemble. Du coup, c'est qui paye? C'est moi. C'est vous? Je vous fais la petite facture? J'ai eu peur, je croyais qu'elle allait dire c'est qui pilote. C'est votre anniversaire, madame, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Vous avez quel âge? C'est pas indiscret. Et j'ai quel âge, Winnie? 28. Ok, bah écoutez, vous êtes encore dans la fleur de l'âge, ça fait plaisir. Bon, allez, venez, suivez-moi. Je suis avec mon copilote Hans Werner, je sais pas si vous le connaissez. Mais t'as 12 ans, monsieur? Hein, moi? Ouais. Non, j'ai 31, mais c'est un secret, ça reste entre nous. Ok. Tu connais comme Benjamin Burton? Je fais pas mon âge. Qui lui? C'est ma... Allez, on y va. Oui, c'est... Oui, je sais pas. C'est lui, le copilote. Vous avez prévu quoi pour votre anniversaire, du coup? Parce que moi, on m'a juste dit, tu prends l'hélicoptère et puis voilà. Des sensations fortes. Est-ce que vous voulez faire un saut parachute? Non. Non. Je sais pas, hein, je vous demande. Oui ou non. Je sais pas. Ah, je sais pas. Bon, je vous donne un parachute au cas où, si vous voulez. Au cas où. Ouais, si on s'échauffe. Je me permets aussi de vous proposer un service photographie, si vous voulez. Ouais. Wow. Faites quelle taille, monsieur? Plutôt du médium, du large, du XL? Du XXL. Ouais, pour un très gros pectoral. Ok, pour madame? XS. Mytho. S. XXXL pour la dame. Allez, je vous en prie, venez. Bienvenue à bord de l'hélicoptère Richie Deluxe. Nous embarquons pour un vol surprise. L'anniversaire de Lily Oni. Joyeux anniversaire. Oh, joyeux anniversaire. Et qu'est-ce que ça dure longtemps ou pas? Bah, ça dépend ce que vous voulez faire, dites-moi. Moi, je veux que ça dure au moins 40 minutes. Au moins 40 minutes? Au moins. Ça sent la flic, hein. Oui, d'accord, bah écoutez, vous voulez qu'on fasse un tour de Los Santos, Paletos, Andy Shore, on fait un total? Ouais, on veut passer voir comment c'est en haut, le palais de justice. Le palais de justice? Ça me donne trop envie de voir qu'est-ce que ça donne. Ok, on y va direct ou vous voulez d'abord faire un tour? On peut faire un petit tour. Ah, tout se passe bien pour le moment? Ouais. N'ayez pas peur. Ouais. Le décollage, c'est ce qui est le plus difficile. Wow. Bah c'est trop bien.
Mais ça fait des papillons dans le ventre. Oui, des papillons, c'est des abeilles en fonction de... Oui, ça dépend après, voilà, vous n'avez pas l'habitude. C'est, là, ouais. C'est la première fois d'hélicoptère, vous, monsieur dame. Eh oui. Ah ouais, okay, ouais. Ça marche. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire? Mon anniversaire. Ouais. C'est vrai que c'est pas comment, ouais. Rien. Quand même, un tour d'hélicoptère pour l'anniversaire, c'est plus pour des mariages ou pour aller à Caillot. Et est-ce que quand je vais me marier, est-ce que vous pourrez me prendre un hélicoptère? Bah bien sûr, tout est possible. En plus, mon mari, il habite à Caillot. C'est vrai? Tu te jures? Waouh, ouais, j'étais pas au courant, ok. Et ben, je vais me marier et moi, je voudrais aller en hélicoptère pour te faire une surprise. Chercher un agent de travail. Ouais, ça va ou quoi? Je suis désolé, je suis en hélicoptère là. Ok, non, parce que là, il y avait un client qui voulait louer le même type de véhicule que moi. Je sais. Bah là, en fait, je suis vraiment en plein vol. Je te rappellerai dès que je suis disponible, d'accord? Au pire, je lui donne ton numéro et il t'appelle. Voilà, exactement, 6x0. Ok, vas-y, bah c'est bon alors. Vas-y, Richie. Désolé, messieurs, dames, je vais couper le téléphone. Hans, fais le guide, s'il te plaît. C'est toi qui connais les maisons de bourgeois et tout. Oui, bien entendu. Alors, en face, vous savez, l'avenue Ace Jones sur votre gauche. Tout droit, nous avons l'avenue Angham Ave. Regardez bien, c'est un quartier de la haute là-bas. C'est vraiment. Je sais, j'habite là. Ah bon, vous habitez là? Oui. Mais pourquoi moi, j'habite pas là, moi? Oh mon dieu. Du coup, sur votre droite, regardez, vous avez la magnifique tour de la Mass Bank. Regardez, juste derrière aussi, on peut apercevoir la mer avec le magnifique yacht qui est déposé. Et là, juste là, nous avons une magnifique wood, villa. Vinewood. Ouais, Vinewood. Mais ils font chier. Ils me disent qu'il faut que je reste longtemps dans l'hélicoptère parce que ils ont une surprise pour moi, mais la surprise, elle a retardé. Ah merde, c'est à quelle heure la surprise? 23h30. Quoi? Oh ouais, 30 minutes. Ils sont chiants. T'inquiète, je gère. Ah, parce que je gère pas du tout, je sais pas quoi faire. Monsieur Richie, vous voulez que je pilote si vous avez des choses à faire? Non, ça va aller. Non, monsieur. On dirait on va se poser sur la Miss Bank, on ferait des photos, puis après on verra. Ouais, trop stylé. Ah ouais, on va braquer la banque, ouais. Quoi? Non, on va juste se poser. Non, pas vraiment. Ouais, mais monsieur, t'es déjà tombé de ce dossier haut? Non, jamais. Moi, j'ai un peu le vertige, hein, je te cache pas. Hein. Et comment tu pouvais-tu faire ton métier comme ça? Bah, après, tu sais, le vertige, on va dire une peur, ça se domine, hein, sinon ça devient une phobie. Hein. T'as pas tombé. Allez-y, mettez-vous devant l'hélicoptère, je vais vous prendre en photo. Vous voulez sauter en parachute ou pas? Non, j'ai peur. Moi, ouais. Si je saute, tu me récupères en bas, monsieur? Bah, bien sûr. Vas-y, saute. Vas-y, bah, prends mon numéro et puis tu m'enverras où est-ce que tu es, d'accord? C'est 6x0. Je vous envoie les photos. Au pire, ce que tu peux vraiment sauter et atterrir normalement, tu sais, à la marina, hein. Tu vois là où on a décollé? Si normalement tu gères, tu peux atterrir là-bas. Vous mettez exactement là où je suis, vous courez. Oula! Ah ouais, juste moi, ne regardez pas en bas et je. C'est bon, elle a sauté. Voilà! Roya, ils vont faire des trucs bizarres avec l'hélicoptère. Pourquoi? Bah, palais de justice, tout ça, ça pue la merde. Hein. Ah ouais? Bah oui, frère, j'ai l'impression que c'est une évasion, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, frérot, moi je suis payé hein, pour l'instant, je vais voir. Hein. Vous prenez le risque? Ouais, mais attendez, c'est mieux de toucher 10 000 ou de perdre un hélicoptère que vous venez de payer? 20 000, c'est mieux de payer 20 000 ou. Après frérot, moi je suis pas censé savoir pour le moment, tu vois. Bon, juste, j'ai une petite idée. Je sens que ça pue la merde. Ils ont pas l'air très futus, en plus, tu vois. De toute façon, si jamais ils font une connerie, moi j'atterris au-dessus du commissariat. Hein. Ouais, bah c'est mieux. Et t'as vu, elle a pas laissé déposer son sac. Il doit y avoir des trucs bizarres dans le sac, hein, à mon avis. Ah, par rapport au sac, hein, je ne sais pas après. Si, elle a pas voulu. Elle a dit, bah non, si jamais on en a besoin. Genre, à quel moment t'as besoin de ton sac dans un hélicoptère? C'est bizarre, tu vois. Oh non, il s'est écrasé. Ah. Elle s'est écrasée, je la vois, elle est là-bas. Oh mon dieu. Tu la vois ou pas? Oui. Il a sauté. Oh là là. Oh le carnage. Vous voulez que j'appelle le SHD? Attends, on va déjà voir ce qu'il en est. Ouais, appelle, ouais. Merde, ça va? Ça a été? Oh lolo. Je crois là, moi j'ai le meurtre comme une grosse. Attendez, on appelle les secours, vous inquiétez pas. Oh mon dieu. Tout était parfait. Elle a foiré juste les 10 derniers, merde, c'est dommage. Après, c'est une première, c'est pas grave. J'espère que ça va aller. Ça m'est déjà arrivé. Je sais pas s'il est tombé de très haut ou pas, j'ai pas vu. Je sais pas, ça fait paf. Ouais, en tout cas, j'ai vu son parachute se déchirer avec les grillages, mais après, je sais pas si le choc a été trop violent. Ouais, moi j'ai entendu paf. Ouais, toi aussi, t'as plongé dans l'eau, toi, comme un poisson. Ça va, j'ai peur, j'ai sauté dans l'eau. Si c'est que spaf, c'est pas grave. Si ça aurait été spouf. C'est vrai, plouf ou plouf. Ouais. Ou splouf. Ah là, c'est compliqué. Stopa. Oui, c'est. Rac, c'est pire ça. Ah ouais, non, c'était juste spash quoi. Ça va, Lily? Ça va mieux. Tu t'es bien éclaté quand même, hein? Pas mal, hein? Ouais, mais j'étais proche du sol. Après, c'est le pack sensation, donc je mens pas. Hein. Bah, tu sais qu'on m'a toujours dit que je monterais au 7ème ciel, mais c'est pas là que c'est la première fois que j'ai monté aussi haut. Ouais, t'es descendu aussi, bah d'un coup aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, ascenseur émotionnel, c'est cool. Là, ouais. Allez, on remet ça, c'est parti. Ah ouais, mais on a plus les parachutes. Je sais.
Mais pas du tout, ouais, c'est vrai qu'avec mon charme, je peux avoir plein de femmes. Je pourrais grave en faire. Mais prenez-le en escorte. Pensez à l'argent. Mais... Qui ça J'ai juré, il veut faire vraiment d'escorting là. Non, Ben Barak, ça donne quoi Ben Barak? Je sais pas, il me parle pas, je lui parle pas. Attends, je l'envoie, je l'appelle. Non, je pense que c'est première dispute du couple à mon avis. N'importe quoi, oui. Attends, je l'appelle, c'est bon, t'inquiète pas. Non, je l'ai vu tout à l'heure, on s'est capté vite là. Et il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi à 24/7? Fais pas ta pute. Bah rien, il est venu acheter des cigarettes. Fais pas ta pute. Oh, le ouf, il fume. Ouais. Oh, le fils de chien. Oh, les clients. Alors, dites-moi, messieurs, dames. Et on vient de penser à un truc, monsieur. Ouais, dites-moi. Vous savez que c'est mon frère jumeau, donc c'est son anniversaire aussi, j'avais oublié. Ouais, jure, mais je me disais bien, il y avait une ressemblance. Ah, ouais, c'est vrai, on n'y avait pas pensé à ça. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tour et. Par contre, tu vas, cette fois-ci, toi, tu vas monter tout seul et tu vas jeter tout ce que t'as sur toi et tu vas venir dans mon... Tu vas tout mettre dans mon sac. De toute façon, j'ai rien. Eh ben, ça tombe bien, on y va tous les trois. Juste tous les trois? Oui. Ouais, que tous les trois, ouais. Allez, tu montes. Faut pas qu'on revienne l'autre. Allez, cours. Moi, je vais monter devant, moi. Je suis stressé, par contre, j'ai pas trop l'habitude des armes. Bah ouais, alors tu vas te calmer et tu vas reprendre tes esprits. Elle faut se détendre, tout il va bien se passer. Voilà, tout va tranquille. C'est bon, c'est rien, c'est la première fois, c'est normal. Ok. Ça fait toujours comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous donne de l'argent, c'est ça? Non, tu vas nous aider à libérer notre frangin. Mais quoi? Mais du coup, on va où là? Qu'est-ce qu'on fait? On va aux éoliennes. Vas-y, ok. Chez Wasson? Les grosses hélices qui sont posées par terre. Qui sont pas loin de la prison. J'étais sûr. Il est braqué là, il a peur, il transpire et tout. C'est pas drôle. Bah si, c'est drôle. Tu veux un ice tea bien frais? Non, c'est bon, je veux rien du tout, juste je me concentre. Ouais, arrêtez. Ouais, il faut qu'il reste concentré, parce que sinon on va mourir. Regarde, il y a les immeubles, ils sont pas loin, la fille pas du con. Hein. Ah, tout roule sur des roulettes, comme on dit dans le sud. Ouais, c'est pas normal. Quand ça va trop bien, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare de pas bien. J'aime pas très beaucoup ça, moi. C'est par là, non? Ouais, c'est ça, c'est en bas, c'est là, ça. Le truc est en bas, là. Et évite les éoliennes par contre. Ok, ok. Oh, j'ai peur. Tu vas gérer? Ah oui, tranquille. Ouais, t'inquiète. Je me pose là, ici, sur la petite colline, là. Ouais. Ah, regarde, il y a des ventilateurs, ils sont en panne. Voilà. Vous êtes bientôt là, les frangins? C'est bon pour vous, là? Ouais, nickel. Et qu'est-ce que je suis censé faire, moi, après? Eh ben, tu fais comme nous. Tu attends. Ok, vous voulez des parachutes? Ouais. Ah, ouais. Après, on redescendra sur le pont, on ira chercher le frangin, et voilà. Et la police dans tout ça? Eh ben... Quoi, la police? On a nos frangins qui s'en occupent. Ouais, t'inquiète. Ça, c'est un autre problème, la police. Il y a combien de police, là? C'est ça, la question? Il y a un hélicoptère des polices, là-bas. Ouais, il est parti. Ça, nous, on s'en fout, on est là en promenade. Et en gros, il va arriver là, sur la route, là? L'autoroute, là? Bah, si Dieu le veut, quoi. Mais pourquoi, il a fait quoi comme bêtise? Rien. Il a tué notre père. Quoi? Oui, ouais. Il a tué papa. Ah, en fait, vous voulez le tuer, vous? Je suis prêt, je suis en position Paul. Et du coup, c'est quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, nous, on va pas le tuer. Enfin, si. Mais laissez-le. Oui, ouais, vous savez que la prison, c'est dur, hein. Encore un hélicoptère. Ouais, mais la sortie, c'est sûr. Bouge-toi. J'ai paniqué. Si tu demandes qu'est-ce que tu fais, tu t'es qu'en bronze. Ah non, bah, c'est la visite de ton restock. En bronze, mais bon, il y a quand même un hélicoptère derrière nous, quoi. C'est normal, ouais, c'est ton travail. Ben oui, fallait bien mon anniversaire, t'as oublié déjà ou quoi? Ah ouais, mais oui, mais vous me faites stresser aussi avec vos armes et tout. Non, c'est même pas mon anniversaire, on t'a bien eu. Vous êtes méchant. Oui. Ouais. En plus, j'avais prévenu vos frangins que si c'était quelque chose qui allait me rapporter des soucis, on annulait. Ils m'ont dit non, t'inquiète. Mais non, t'inquiète, t'auras pas les soucis. Hein. Ouais. Bâton rouge, hélicoptère. Putain, j'aurais dû voir le truc venir. Bah oui, c'est logique, attends, quand tu vois que voilà, quoi. Oh, y'a 42 qui m'appelle. Je fais quoi, je réponds, bah. C'est le capitaine. Ouais, vas-y, réponds-lui, demande qu'est-ce qu'il fait, mais tu... Ouais, 42, ça va, quoi? Salut Richie, ça va bien? Ouais, et toi? Ouais, dis-moi, je suis avec monsieur le juge, là. Monsieur le juge, ouais. Il voulait voir pour un gamos pour se la péter devant le tribunal, là, t'es dispo? Ah, il veut un gamos là maintenant tout de suite? Ouais, bah à part si t'es pas dispo, mais... Là tout de suite, je suis pas disponible, non. Mais non. Okay. Dans une demi-heure, quand même. Ouais, je lui dis après le... Comment ça après le... Ouais, ça marche. Vas-y, bon gosse. À tout. Allez, à tout à l'heure. Ça m'a stressé, c'était pas dans mon plan, ça, c'était pas écrit. C'était le juge, imagine, hein, qui voulait me louer une voiture de luxe. Quoi? Je te jure? Mais le juge, il va faire un jugement, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il veut se la raconter. Ouais, il veut se la péter. Et tu loues des voitures? Ouais, je loue des voitures, ouais. Est-ce que tu peux en avoir une? Bah, ouais, si tu payes, t'as une voiture. Et t'as quoi comme voiture? Tout le catalogue, n'importe quel modèle. Tu loues des femmes aussi? Hélicoptère. Ouais, n'importe quelle voiture. Et des femmes aussi?
Non, pas des. Bah, si, ouais, si, je peux faire des femmes, ouais. L'hélicoptère repart vers Los Santos, là-bas. Mais du coup, en fait, c'est vos frangins qui vont l'intercepter et nous, on viendra juste la récupérer, c'est ça? C'est ça. Ça va être chaud, en vrai. Oh là là, vous voulez me mettre dans la merde, hein. Ouais, mais t'inquiète, dans le papier, ça passe, hein. Ouais, sur le papier, ouais. Je peux juste prévenir Hans que je vais bien? Ouais, vas-y. Parce que lui, c'est une Pookie, il va appeler les flics, hein. Attends, je les appelle radio directement. Une Pookie? Allô? Oui, attendez. Attends, on a fait un accident. Ah, vous avez fait un accident, c'est-à-dire que moi, ouais. Tout le monde s'en bat les couilles, quoi. Pourquoi? Apparemment, bah tu vois, c'est bah, pas là, grosse histoire, mais je peux pas vous en dire plus, quoi. Vas-y, on arrive. Et tu vas leur réveiller des soupçons, il est bête, lui, ou quoi? Mais non, justement, en fait, ils allaient prévenir les flics comme quoi j'ai disparu. Donc là, au moins, je leur dis que je suis vivant, tout va bien. Dis-y que tu vas bien. Ouais, je vais bien, en fait, hein. Parce que j'ai l'impression qu'il a vraiment peur, hein. Non, ils ont fait un accident, il faut me reprendre. S'il y a un hélicoptère, il nous suit, tu vas te poser. Ouais. Et tu vas nous poser, et nous, on va partir en voiture, et comme ça, tu lèveras les mains et tu diras que tu étais pour rien, et qu'on t'a braqué. Ça marche. Et tu vois? Vas-y. Bah braquez-moi et comme ça je prends une photo, comme ça j'aurai une preuve. Vas-y. Mais quoi? Genre, là, oui, braque-moi, vas-y. Oui. Non, mais mets-toi devant moi. Non, mais faut que je te prenne une photo. Attends. Recule. Ouais, mettez un truc. Ouais, c'est vrai. Bah, tirez pas. Bah, si, ça fait ok, c'est bon. Ça fait plus vrai comme ça. Parce que moi, après, je vais avoir 42 sur le cul et tout, laisse tomber. Et si jamais on te dit qui c'est, tu dis, je sais pas, ils étaient arrivés masqués, hein. Ah oui, je vais pas dire que c'est Léonil. Tu diras jamais que c'est Lily ou Winwood ni là. Après bon, les flics sont pas cons, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça dépend, des fois ils sont cons, hein. C'est vrai. T'as une madame, monsieur? Non, j'ai pas de madame. Et t'as un monsieur? Non, j'ai pas de monsieur. Mais j'ai un fils. C'est vrai, c'est qui? Ah, c'est mon fils. Il s'appelle comment? Non, je peux c'est logique, hein. Appelez c'est en moi. Réti Junior. Oh, c'est Junior. Ah ouais? Mais toi, c'est ton vrai prénom, toi, Lily? Bah oui. Et du coup, tu pourrais être sa maman si tu te marres avec lui. Non. Il cherche une maman? Non, t'inquiète. Y'a papa? Non. Je suis bien tout seul. Là, c'est le business. Moi, je veux juste me faire de l'oseille parce que ma mère, elle est malade. Et donc là, je travaille pour elle. Waouh. Et vu que j'ai ton numéro, je viendrai te voir plus tard et je te donnerai plus d'argent. Bah ouais, ça, je veux bien. Tu vois, comme ça, c'est le business. Une compensation. Pour ta maman, ouais. Ça marche, ça me va. Ah oui, c'est ma maman, je pense qu'elle va. D'ici 10 jours, je vais la ramener à Los Santos parce qu'elle est toute seule à Atlanta, la pauvre. Appelle comment? Bah, appelle-la maman de Richie. Richie maman. Richie Junior, Richie maman, Richie tout court. Bah ouais, c'est mieux. J'aime pas donner des. Et c'est qui le père de ta mère? De toi? Mais c'est Richie papa. Ah, bah, père c'est mon père. De toi. C'est Richie, Richie senior. Ah ouais, Richie et senior. Il est gentil avec toi? Ouais, il était gentil, ouais. Mort lui aussi? Bah, pourquoi lui aussi? Comme le nôtre. Ah, il est mort votre père? Non, le mien il est encore vivant. Oui, bon, notre frère il a tué, il a rien compris. C'est cet enculé qui a passé. Ah ouais, c'est vrai, merde! Oh, je suis désolé, j'ai oublié que votre frère. Mais pourquoi il l'a tué d'ailleurs? Mais parce qu'il voulait être le chef. Voilà. Mais il aurait pu. Est-ce que tu trouves que c'est une raison? Bah non, ils auraient pu jouer au bras de fer et celui qui gagne, il devient le chef. C'est surtout qu'ils auraient pu faire mieux. Ils auraient attendu que papa devienne handicapé et voilà. Pourquoi handicapé? Parce qu'on devient tous handicapés dans la famille. Comment ça se fait? Et parce que on nous a dit un jour à l'hôpital, c'est parce qu'on couche trop avec les gens de notre famille. Ah ouais, vous abusez vous aussi, wesh, y'a du choix normalement. Bah non, c'est mieux quand on est à la famille, au moins on se connaît par cœur. Ouais, on sait à qui on est affaire, tu vois. Ouais, d'accord, mais après, tu sais, la génétique, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Plus c'est éloigné, mieux c'est. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de nous expliquer, moi, on n'a pas trop compris. En gros, faut éviter de coucher avec ta soeur, ton frère, tout ceux de ta famille, quoi. Ah, faut qu'on arrête. Ah non. Et les cousins et les cousines, ça passe, non? Ouais, c'est bon, ouais. C'est la limite. Ok, bah c'est bon, on n'enfreint plus la limite, maintenant. Faut pas aller plus loin. Si. Mais faut pas aller plus proche, au contraire. Ah, faut pas aller plus proche. Ah. Les cousins, cousines, ça passe, mais les frères et sœurs, oublie. Hein. Et tati et tata aussi, c'est bon. Ouais. Moi, je suis désolé, frangina. On pourra plus. Ah ouais. C'est qui votre papa, vous? Votre maman? Papa, il est mort. Je sais, mais c'était qui? C'était ton cousin? Et ben du coup, on sait pas. Ah, vous, c'est pas un arbre que vous avez généalogique, c'est un buisson. Oh, c'est un baobab. Ah ouais. Une rhubarbe. Ouais, c'est vrai. Et en plus, ça fait plein de fils, c'est trop bizarre. Et vous êtes combien sur l'opération là? Deux. Trois demi-douzaines. Attendez, non mais en plus de vous, il y a combien qui va participer à l'attaque du convoi? Plein. Sérieusement, mais je pense que... Pas suffisamment. Je pense qu'on n'y est même pas 15. Ah si, pas mal, parce que regarde, il y a les deux trous du cul, plus nous, plus les frangins, plus les trois autres machins. Ouais, c'est bon, c'est bon. En vrai, si vous êtes déjà une dizaine, c'est déjà pas mal. Et ça va pas tarder à arriver apparemment. Putain, mais... Bah, venez, on monte alors. Ouais. Bonne idée, monsieur. Aussi. Terrain de cross, là, ils sont pas du terrain de cross. Ils sont terrain de cross. Ouais, on les voit, là, ils sont en bas. On est au-dessus d'eux, ouais. Dessus nous. Vous me dites quand j'atterris, d'accord? Ouais. Bah, quand ça va s'arrêter, hein. Là, ils sont... Ils tournent au motel, là. Ils sont au motel, là. Il y a l'hélicoptère au-dessus de nous, faites attention. Ils vont passer. Arrêtez, ils sont arrêtés. On peut commencer à te poser. Tu viens là. Après, faut peut-être pas rester ici sur la route. C'est qui, ça? C'est qui?
C'est nous. Vas-y, reste à l'hélicoptère, Winnie, je vais essayer de trouver Clé. Attends, ils sont en train de continuer sur la gauche là-bas. Là, la boule, tu viens. Fais-toi, passez pas derrière l'hélico. J'ai peur. Ça va, t'inquiète. Ouais, ils sont jusqu'au bout, ils s'en battent les couilles des hôtels. Il est dans le camion blindé, il est pas encore à nous. Butez les flics. Ça tu vas pouvoir remonter, je pense. Ils sont dans le camion. Non. Oh, mais pourquoi vous avez fait ça? Merde. Qu'est-ce qu'ils font? Mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Vas-y, remonte. Qu'est-ce que je fais? J'en sais rien, je sais pas ce qu'il faut, tu vois. Pourquoi ils ont tiré sur la police? Ils ont fait demi-tour, mais on n'a pas le camion, pourquoi vous avez tiré? Ok, c'est foutu. Bah vas-y, on abandonne, on redescend, on vous aide. Allez, tu vas pouvoir nous déposer. Descends derrière le motel, là, descends là où il y a la voiture des... Là, ça va être compliqué, c'est un peu important. Comme ça, tu peux décoller, toi, après. Tu peux pas repartir. Et ça, tu t'enfuis. Tu vas risquer ta vie pour rien, sinon. Vas-y, je te rappelle, merci. Je peux monter ou pas? Oh putain, merde. Oh putain. Voilà, dinguerie! Les gars! T'es là? Ah, enfin! Mais wesh, grosse fusillade de fou, j'étais pris en otage, c'est pour ça que je pouvais pas vous parler radio. T'es où? Oh là là. Je suis dans le nord, là, ils ont pété, Léonie, ils ont fumé tous les flics. Quoi? On arrive. Ils ont fumé 42. Ben Barak! Je te jure, ils l'ont fumé. Abby, Vous êtes où? On arrive dans le nord. Non, dégagez, c'est chaud. Dégagez. On arrive. Non, c'est mort, c'est une scène de crime. Et t'es où? Eh gros, t'es où? Je te laisse pas la bataille. Moi, je suis du côté des éoliennes. Je suis en hélicoptère, là. Okay. En fait, quand vous étiez en train de vous taper bande de zgeg, ils m'ont pris en otage, ils m'ont braqué, ils m'ont dit monte dans l'hélicoptère. Et je vous dis quoi, c'est pour une évasion. Ils ont voulu évader leur oncle, je sais pas quoi, qui a tué leur daron. Merde, zbl. Et en fait, ils ont bloqué le convoi de flics, sauf que les flics, ils ont fait plusieurs leurres, ils ont fait plusieurs convois. Ils se sont fait baiser, ils ont pris les flics en otage, les flics, ils ont pas lâché, ils ont buté le flic. Attends, ils ont buté, attends, ils sont morts? Frère, ils sont pris masse de balles, 42, ils disaient non, tirez pas, tirez. Non. Après, je te jure. Ils vous ont braqué quand vous avez décollé. Mais quand vous étiez au fond là en train de vous taper, mais bande oui de zgeg. Enfin, à la radio, je vous disais de descendre pour me prendre. Mais t'es con ou quoi? Ils m'ont dit de couper la radio. Donc voilà, c'est à ce moment là qu'ils vous ont braqué. Putain. Mais non, ils m'ont braqué au moment où t'étais en train de vous taper là au fond. Oui, vous êtes trop bête. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Donc c'est à cause d'Abby tout ça, merde. Comment ça, c'est à cause d'Abby, connard? Bah, c'est qui m'a provoqué? Arrête tes bêtises. Et puis même, on aurait jamais pu savoir, nous. Bon, après, j'ai pris 20k, donc je m'en bats les couilles. Eh, hey, il y avait les Families, les Vagos, il y avait tout le monde. Zbel City Gang. Arrête, vous inquiétez pas, je suis trop chaud, là. Mais ça le fout, frère, c'est Bagdad, qu'est-ce que tu me racontes? Eh ben, ils vont voir la colère de Hans Werner. On touche pas, mon ami Richie. Même si je vous aime pas. Non, mais tranquille, ils m'ont rien fait, moi, c'est plus 42... Vous inquiétez pas, semaine P, je vais les pookies. Vous avez besoin d'aide ou pas? Non. Mais j'ai vu, j'étais dans l'hélicoptère, ils m'ont pris en otage, Léonil. Ah oui. Bien. Faites attention. Bah ouais, je vais bien, j'ai vu 42, il s'est fait fusiller M-Skin. Juste un truc à vous dire, mettez-vous à couvert s'il vous plaît. Ouais, je suis à couvert, mais juste si vous avez besoin d'aide, je suis là quoi. Ok. Ouais, j'ai entendu. T'es où, Je suis à la poste que je t'ai envoyé, mais fais gaffe, ça tire partout. On y est. Je suis à côté d'une voiture de police. Y'a des agents qui sont blessés là. Bah, vous avez vu 42 sortir là-dessus, mais. 42, je crois, et Ben Barek aussi. Je suis pas sûr. Ben Barek, mais 42, c'est sûr. En fait, ils m'ont obligé à atterrir pour choper leur tonton clé ou je sais pas quoi là. Où je suis à côté de la police, je suis derrière la voiture de police. Comment ça, derrière la voiture? Attention, monsieur Richie, mettez vos couverts. Je pense que c'est juste. Ah, vous avez l'hélico? C'est un mécano, lui. C'est un mécano, je pense. Mais je suis là, derrière la voiture de police. Non. Mais je suis là! Mais c'est qui eux? Remontez, dégagez! C'est Hans, c'est Abby. C'est dangereux, ils sont cons. Eh, dégagez de la zone, c'est trop dangereux, dégagez! Mais on peut pas dégager, tu vas pas rester là? Mais si, moi je suis avec la police, je vais les aider. Tu vas aider la police? Ah ouais? J'ai participé à la police d'habitude. J'ai participé à l'opération sans le vouloir. Mais pourquoi on est venu alors? Bah parce que tu voulais venir, connard, je t'ai dit viens pas. Des agents à nous qui sont... Ils sont en train de... Mais c'est justement alors, ce qu'ils sont en train de dire là. Regardez, non mais c'est juste un truc à vous demander. Toutes les infos que vous avez là, que vous avez actuellement, gardez-les et passez... Oh frérot, j'ai même des photos si tu veux, t'inquiète. Eh ben, regardez, je vais prendre votre numéro. C'est 6x0. Et ils avaient des flics en otage, on est d'accord? Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Et leur chef, il a dit, ah, il s'en fout des otages, bah tirez sur les flics. Bah oui, mais nous on est...
sont trop cons, pourquoi ils ont Bertie? On leur a dit à des otages, ils ont dit non, bah merci, on en a vu. Oh non, on va sécuriser la zone, non? Ouais, mais c'est moi, ça explose. Vous envoyez un message, monsieur. Envoyez-moi toutes les photos, etc. Ouais, les photos, c'est bon. Oh, les gars, faites attention, hein. Ouais, t'inquiète. Ça a tiré de partout. Ouais, mais on... 42, je crois, il est mort. Quoi, non? 180 000 dollars sur son compte. Croyez, ils l'ont mitraillé de fou. 42, il est où? Oh, Ben Barak, t'as envie, alhamdoulilah. Il est vraiment mort. Alhamdoulilah. Non, Ben Barak, il a envie, Ben Barak, il a envie. On s'en bat les couilles, 42. 42, il est en vie, 42, il est en vie. Ah, ouais, ouais. 42, c'est bon, c'est bon. Ça va ou quoi? 82, j'ai tout vu, j'étais dans l'hélicoptère, ils m'ont pris en otage, ces chiens. Je te fais fumer comme une crêpe, parfaite. Je sais, j'ai vu 42. J'ai pensé aux 180 000 dollars sur ton compte. Ça va, c'est... Oh, c'est le gilet, t'inquiète, les gens de sécurité ont tout. Ouais, j'ai eu peur pour toi, je te jure. Ça va aller. Mais j'ai peur quand même, j'ai la tête qui tourne. Ah ouais, normal. Debout, tu m'entends? Oh là là. Attention, éloignez-vous de la voiture. Je suis en train de réanimer, je suis à côté de la station. Oh Reti, ça va ou quoi? Tu vas bien? Eh frère, ils m'ont pris en otage dans l'hélicoptère. Léonil, ouais. Oh là là. Après je m'en fous, ils m'ont payé 20k, donc bah les couilles. Ok, mais toi, mais comme ça. Ouais, j'ai envoyé la photo au flic de la 02. Ils m'ont pris en otage, ouais. Et tout, j'ai pris la photo de... C'était Lily et puis il y avait Vin. Et c'est pour, c'était pour sauver leur tonton Clay, je sais pas quoi là. Ah ouais, ouais, c'est celui qui était. Et qui ils était ont tiré sans broncher, frère, sur les flics. Ouais, ouais, justement, nous on arrivait aussi sur place, on voyait ça tirait de partout. Parce qu'apparemment, les flics ils ont pas voulu lâcher le convoi en mode on a des otages. Les flics ils ont dit bah non, vous avez pas d'otages, du coup ils ont tiré sur vos collègues. Quoi. Ah ouais. Je sais pas, c'est parti sur un quiproquo à mon avis, tu vois. Ah ouais. Mais c'était dégueulasse. Ah, mais là c'était très dur là. Oh, ça commence à paniquer. Ça va? Heureusement qu'on a dit de passer à côté des stations. Non mais si mort, c'est à cause du petit truc. Mais c'est l'essence. Ah ouais, heureusement que t'es un gilet, Richie, gaillard. Les premiers soins. Ouf, Richie, il est premier soin. Ah, Roya, il a la déflagration. Et des fois, les gens, il leur dit un prix, les gens, ils tombent dans les pommes. Non, là, c'est gratuit, c'est gratuit, là. Ah non, à tout faire, si, mec, vraiment. Hein. C'est gratuit jusqu'à la caisse. J'ai raté, voilà les locations en plus, ça me casse les couilles. C'est pas grave. Le temps c'est de l'argent. De fou. Mais mec, tu parles au rat de Alta Street, mec. Eh ouais, mon pote. Putain. Oh putain. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh bah t'as fait un de ces vols planés, mon gars. Ouais. Vous avez chopé une petite onde de chaleur là, mais ça va. Onde de chaleur. Ah, t'as bien bronzé, hein. J'ai la tête qui tourbillonne dans tous les sens. Mais heureusement que t'as encore ta tête en vérité. Hein. Vérifie si c'est bien accroché à tes épaules, voir si tout va bien, tout fonctionne. Pas besoin de mise à jour. Je tourne à droite, à gauche, en haut, en bas. Bah parfait. Eh, hey, t'as eu de la chance, hein. Eh, hey, joue au loto, hein. Ou joue au casino. Les agressions ont payé, quoi. C'est-à-dire, voilà. Ah bon, le levure, quel genre de levure? Bah, forcément, les bavures avec 42 qu'on a réalisées. Ah, Jean, c'est tu bon, fais que félicitations. Merci, merci beaucoup. Félicitations. C'est pas réussi. C'est toi qui as fait l'identifice avec la station, quoi. Oui, j'ai foncé dedans. C'est pas discret, regarde, ils m'ont pris en otage, Léonil, dans l'hélicoptère. Oh là là, attention, ça pète. À ton avis, c'est qui? Mais ils m'ont pris en otage, je t'ai dit, pour. Ah ouais ils m'ont pris en otage. Eh oui, ils m'ont pris en otage dans l'hélicoptère. Ils ont brodé la coupe du toit. Eh ouais. Attends, ils ont voulu. Tu veux tirer du toit en tout cas. Ils ont arrêté le convoi, ils ont voulu le faire monter dans l'hélicoptère, sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Ils ont gueule, oui. Donc ils ont voulu te faire monter dans un convoi et ça n'a pas réussi. Ils ont tiré sur les flics, hein. C'est des grands malades. Et des grands, mais bon. Mais ce qui est principal, c'est que t'as encore en vie. Hein, ouais, surtout que j'ai gagné 20 000 dollars sur l'opération, donc alhamdoulilah. C'est ça, c'est une bonne opie, hein, j'ai envie de dire. Vous êtes où? Du là. On est avec les flics. D'accord, bah. Bah, félicitations à vous aussi, des cours Reti. Écoute, tout flic, toujours un plaisir. Et n'hésite pas pour faire une petite location vu que t'as une promotion maintenant. Putain. J'ai pas gagné d'argent là. Ah merde, vas-y, bon courage. Merci, oui. Au revoir. 42, comment tu m'as fait peur? Juste pour tester les appuis, c'est bien toi. T'as vu comment je me suis fait Mais frère, tu t'es fait rafaler. Il a pas bougé, hein. Les bras non. Comme ça, il s'est fait rafaler comme ça. Je te jure, il était comme ça. Mais arrêtez, mais aïe, ouf, aïe, aïe. Non. 42. Mais attends, mais pourquoi ils ont tiré 42? Bah parce qu'il y a, en gros, ils pensaient qu'on voulait pas les emmener à, qu'on voulait pas négocier, je pense. Bah enfin, c'est moi, ça en fait. En fait, c'est Billy il a donné l'ordre de vous flinguer. Bah oui, mais moi je sais pas, moi j'ai entendu tuer, fumer les otages. Bon bah. Ah mais ils sont cons en fait, ils aiment pas discuter les gens. Tu sais que ça faisait une heure. Ça faisait une heure que j'étais pris en otage, hein. J'étais sur la colline. Richie, on t'a cherché partout. Vraiment. C'est pour ça que je suis arrivé en radio, je dis salut. Tu vous m'avez dit, attends, ta gueule, on a fait un accident. Là, vous me cherchez partout, bande de chiens. Je vous jure qu'on vous a cherché partout. Oui, bah bien sûr. Oh, mais c'est ta femme, 42. Ah, Mia. C'est Mia, non?
Ouais, c'est Mia. Ouais, c'est elle, Mia, ouais. Mia. Mia, hey, ça vaut combien? Salut Mia. Hey, toi, Richie. J'ai envoyé les photos, Mia, en fait. Quoi, t'as dragué Abby? Quoi? Me dis pas que t'as dragué Abby quand même, 42. Non, on discutait. Abby, elle est avec eux. J'ai des photos, hein. J'ai pris une photo en plus, hein. Non, mais on discutait, mais je savais pas. Mia, c'est quoi ton numéro de téléphone? Je t'envoie une photo. Vous avez vu la pluie et tout, c'est 26. Ouais, attends, 26, 44, 92, attends. Regarde, il vient de se faire fusiller. Il vient de se faire fusiller. Regarde avec qui il parle. Zoom un peu. Oh, t'inquiète, je vois. Et voilà. Ouais. Les hommes, hein. Bah, oui. Ça, mais j'ai vraiment eu peur. Sarah, bah, il pleut, c'est normal. Ça va, Richie, t'as rien. Ouais, ça va. Ouais, ouais, bon, cul, comme dans les films. Ils s'en battaient la couille. Vous en battez les couilles de ma vie, hein. Eh, j'ai juré, on t'a cherché d'autres choses. C'est bon. Incroyable. Ah ouais, mais c'est fou. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas eu d'appel, pas de message, rien. C'est bizarre. Quand on cherche quelqu'un, on va même l'appeler au téléphone. Je te jure que je t'ai appelé. C'est un mytho. Je te jure au nom de Dieu, je t'ai appelé. Bon. Et bah, wallah, j'ai aucun appel de Abby sur mon téléphone. Écoute, Abby. Là, c'est Hassan qui parle. Wallah, la Abby, on t'a cherché partout. Bon. D'accord, mais wallah, j'ai aucun appel de Hans ou de Abby sur mon téléphone. Mais on parle de 42, 42. Non, c'est vrai, c'est vrai. 42, quand tu m'as appelé tout à l'heure pour une location, il me tenait en joue. Regarde, je t'envoie la photo. Ah, c'est pour ça que tu m'as dit pas maintenant. Bah oui, frérot, regarde. Ça fait longtemps alors. Mais ça fait une heure, frère, que je suis en otage. Ah oui. Eh oui, il me tenait en joue, c'est chiant. Pendant une heure, quoi. Bah super. Ah ouais, il me parlait de leur tonton. Pas quoi, vas-y. Bah force à toi. Bon, bah, peut pas tirer dessus. Ah non, sinon, oui. Il peut pas piloter, c'est con. Ouais. Ah oui, ils étaient dans l'hélico. Mais en fait, ils m'ont loué un tour d'hélicoptère. Ils m'ont payé 20 000 $. Je leur ai dit il y a 3 jours, si c'est un truc bizarre, annulé. Ouais. Non, t'inquiète. Hey, on a fait un tour en hélicoptère, ils ont fait en parachute, tout se passait bien. Ouais. Ils ont atterri, ils m'ont braqué, frère. Ok. Bon, ça pour le coup, c'est un petit peu malin. Je leur avoue. C'est bien, capitaine. Ouais. Mais te tenir en joue pendant 2 heures, oui, ça va aller. Ne vous inquiétez pas, mon gilet. Bon. Abby, viens, décolle. J'ai entendu ça. Ah, dans tous les sens. 42, on s'est en courant pour la location avec Abby. Bisous. Ouais, bisous. Oh, Ben Barak, faut que je t'envoie une photo. Vas-y. Apparemment, tu me. Hein non, mais alors. Oh, Ben Barak, j'ai une photo. Ah, j'ai deux photos à t'envoyer. Oula. Attends, Abby, elle a trouvé Ben Barak. Je sais, regarde. Tiens, ça c'est la prise d'otage déjà. Parce qu'ils m'ont braqué, c'est con. Léonide là. C'est dommage parce que Ben Barak. Et ça, regarde, zoom sur la dernière photo s'il te plaît. Zoom bien. Et au fond. Et avec qui elle parle? Vas-y, fais voir la photo. Non. Ben Barak, je veux, s'il te plaît, des explications. Ah ouais. Ah, t'es comme ça, toi. C'est-à-dire que 42, en fait, se fait mitrailler. Bon, ça va le voir. Et Ben Barak, miskin, bat les couilles, c'est ça? Pardon. Moi, je lui dis viens, il est parti en courant. Non, par contre, quand on a eu le call radio que Ben Barak est peut-être mort, c'est Abby la première qui a demandé. Merci. Où est-ce que... Voilà. Ouais, ça, ouais, mais pas... après, parce qu'elle a spécifié. Ah, viens là. Tu vois, elle part. Tu vois comment elle court? Elle court comme Lara Croft. Elle a peur. Elle est vraiment partie. Mais il se passe quelque chose entre vous deux, vraiment. Ouais, je sais pas, tiens. Ouais, une location. Non, mais... Il se passe au moins une location au Caillou Perico. Ouais, regarde. Bah, minimum, moi je pense. Hein. Attends, bouge pas, Abby, bouge pas. Ouais. C'est bizarre. Ouais. C'est dangereux la moto, elle voulait pas descendre. C'est une scène de crime ici, hein. Abby? Ben Barak! Je m'en occupe. C'est l'heure du bouche à bouche, viens! T'arranges un coup! Romantique. Fais un truc romantique. À côté des poubelles, viens. 2 000 $ le bouche à bouche, hein. Eh, je t'ai arrangé un coup de fou là. M'occupe de toi. Ça sera pas nécessaire. Wow. Tranquille. T'inquiète. Mais t'inquiète. C'est un mort de Hans là. Alors, elle a la bouche douce, les lèvres douces ou pas? Ça y a un peu de bouton, hein. Regarde, elle a mangé le loubia. Ça. Putain. Ah, j'ai oublié ce détail là. Ah, mais t'es sérieuse? Richie? Ouais. Faut leur donner des courants, ça. Pourquoi? Il est pas solide, hein. Bah, après, c'est Hans Werner, hein. Tu sais, c'est pas Hassan, hein. Compliqué, hein. Si, il veut s'appeler Hassan. Ouais, okay. Mais justement, il doit faire ses preuves encore. Il est en cours de conversion là. Les Aztecas, ils nous ont dit de s'appeler Hans Geig, je crois. Attends, je rêve ou y a des flics qui font des doigts rires alors qu'il y a une scène de crime? Oh. Alors, c'était comment? Comme ça, c'était comment? Ah, frérot, je t'ai mis sur un bail de fou là, un petit bisou et tout. Ils sont bizarres. Comment ça, ils sont bizarres? Je sais pas. Tu remarques ou pas? T'es toujours blasé de la vie? Comment ça, blasé de la vie? Tu viens de me casser la gueule. Ah non, j'ai cassé la gueule à ta moto de base. T'étais clairement pas visé. Oui, clairement pas visé, bien sûr. Ah oui, bien. Oh putain, on peut pas monter ici. Ouais. À un moment donné, toi, tu fais grave le mec. J'étais grave inquiète pour toi, tu crois que je me fous de ta gueule. T'as dit quoi? T'es grave inquiète pour ça. Ok, mais non, mais je te jure parce que j'ai pas. En fait, tu m'as dit wallah, mais je te jure que ouais, tu m'as ouais, pas. Ouais, mais appelé. En fait, tu sais, le moment où j'ai commencé à t'appeler, bah t'as dit je suis là, les gars. Du coup, bah. Ah, t'as annulé du coup? Oh ouais, c'est pour ça. Je jure que j'ai fait la manip pour t'appeler. Vas-y, ok, c'est bon. Voilà, my ça, bro, c'est mon ref, my bro. Ça c'est mon ref. My bro. C'est mon ref. Et ta gueule, espèce de mytho. Ref de quoi, wesh. Oh, t'es moche, check deux fois. Tiens, toi, tu feras. Mais non, c'est entre frères et sœurs, t'inquiète. Ah oui, merde, c'est vrai. Merde. C'est comme ça qu'on se dit salut à Atlanta. Ah oui, c'est vrai, ok, j'ai oublié. T'inquiète. Hey, deuxième bisou, c'est pour toi, frère. Let's go, Richie. Oui, frère, tu crois quoi? Je te mets sur tous les bails.
Ça va, Bi? Ça va, Bi? Ouais, non, ça va, ça va. Parce qu'en fait, je me suis fait prendre en otage, elle a juré comme quoi elle m'a appelé pour prendre mes nouvelles alors que je check mon téléphone et à zéro. Et du coup, bah, un mensonge, un carreau. Ah, c'était donc ça qu'elle me disait que t'avais un truc très important et que du coup, elle pouvait pas venir pour la fauteuil. Ouais, ils m'ont pris en otage. Qui? Bah, Léonil pour le convoi de leur comptoir. Ouais, il voulait le. Oh, j'ai une photo si tu veux, dis là. Je te jure, ils sont en train de me braquer. Je vais faire un article dessus. Ouais, bah oui, tu vas faire un article. Vas-y, je te facture combien? Ah, bon, ça va aller, puis dessus. Mais non, mais tu prends les sous du Weasel, frère. Je les ai pas, moi, les sous du Weasel, faut que j'appelle papy, mais je sais pas si il est là. On demande à papa. Hein. Vas-y, demande-lui, hein. Allez, c'est combien? Oui. Eh, je te jure, la photo, elle est incroyable, je l'ai envoyé à Ben Barek, tu lui demandes. Ok. En fait, ils sont en train de me braquer comme ça. Il y a un hélicoptère juste derrière. Richie, explique-moi ce qui s'est passé. Frère, on s'est checké, je papy, t'es sur la fusillade? Oui, oui. Non, non, avec Léonil et. Il y avait des familles aussi. Ah oui. Bah, viens, on va au commissariat, on discute à tête reposée. Je t'ai envoyé. Bah, papy, il veut pas, il a dit, il y a déjà des fauteuils. Bah, pas celle-là en tout cas. Dis-le, moi j'en ai une de fou. J'en ai une, tu vois l'explosion. Mais moi les bikers, qu'est-ce qu'ils font, hein? Ouais. Ouais. Faudrait juste que tu. Papy il m'a dit au final. Faudrait juste que tu montes la photo. Si elle vaut le coup, il te paye 1000$. Ok. Bah, il a un numéro? Ouais, attends. Ou je te l'envoie à toi directement? Oui, au pire, envoie-la moi. Si ça vaut le coup, je lui transmets et puis il te paye 1000$. Une barrique, on va au poste? Ouais, vas-y. Vas-y, je prends mon hélicoptère. Ouais, j'ai un hélicoptère, tu veux venir? Ouais, vas-y, je viens avec toi. Vas-y. On doit aller à Sandy Shore, Richie. Sandy Shore? Pourquoi faire? Je sais pas, 42, il nous a dit d'aller là-bas. Ouais, il pue là. Ah, Richie, t'es où? On va à Sandy Shore? On va faire un débrief là-bas. Ouais, dis-la. Ouais, c'est bon, va au Weasel, papy, te paye 1000$ pour la photo. Oh, lourd! Vas-y, c'est cool. À tout à l'heure, bisous. Voilà. Là, je suis avec les flics, d'accord? À tout à l'heure. Ok, ça marche, chaté. J'ai vendu la photo 1000$ au Weasel. Toujours autant un rat, toi, hein. Ta marque de fabrique, hein. Frérot, on est là. Il atterrit sur le iPod ou à côté, comme tu veux. Vas-y, attends, je vais le ranger. Let's go! Pardon. On se fout qu'on doit. Non oh, ça va! Vous voulez bandage? 50$? Non, hein? Oh! 84. Owen. Bon. Ah, t'as les cheveux. Je vais mettre derrière 5-8 histoire de le tarter un peu quand il parle trop. Qui me parle? Il arrive vraiment en cours. C'est un témoin, c'est un témoin. Ah. Je suis le témoin clé de l'histoire. Tu veux prendre un peu de temps, on va devoir commencer sans lui. François. Oh, monsieur. Bien, débriefons, débriefam. Alors, qui était le pilote du Riot? Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était sur la route 68, c'était bloqué, donc on a tout simplement contourné sur l'herbe. Donc j'étais entouré de plusieurs véhicules. On a réussi à passer tout simplement le barrage, sauf que les individus ont ensuite après ouvert le feu sur nos collègues. Et j'ai pas plus d'informations par la suite. Quels mots ont été dits aux preneurs d'otages? Il y a eu des mots qui ont été dits là. Il y a eu un échange avant la fusillade, non? Non. Écoutez, moi j'ai vraiment pas besoin d'une mot pour ma part. En fait, nous, c'est, bah, on a dit qu'il y avait des otages, ils nous ont dit qu'il y a des otages, et du coup on est parti. Et nous, quand on a fait demi-tour le scout, ils ont dit ah, oh, ils s'en battent les couilles des otages, et ils ont tiré sur tout le monde. Et ils ont ça, tout explosé. Et du coup, bon bah, il n'y a pas eu d'échange parole. Ouais, ça allait vite, hein, ça allait vite en vrai. Ok, là, ok. Donc là, en fait, le Riot, c'est bien, vous êtes arrivé à destination. La prochaine fois, c'est il y a une voiture qui arrive et qui dit écoutez, prenez vos otages, on va se mettre un peu plus loin. Et on négocie, ok? Parce que là, du coup, c'était le bordel. On n'a pas de son t-shirt. Après, c'est eux, ils ont été cons, c'est des O'Neill, hein. Vous inquiétez pas, mais voilà. Personne n'a été touché gravement, là, c'est bon? Non. Non, ça va. Le gilet a fait le boulot. C'est beau otage. Richie, comment tu t'es fait prendre en otage? Ben moi, en fait, ils sont venus, pour ceux qui me connaissent pas, Richie Lera. Je fais des locations de voitures et des tours en hélicoptère. Et du coup, je crois que c'est Cliff et Marlon qui m'ont loué, du coup, un tour en hélicoptère il y a 3-4 jours de cela. Ils m'ont demandé aussi des bâtons lumineux. Donc moi j'ai senti la couille arriver, t'as capté, tu vois. Je leur ai dit mais c'est pour quoi faire? C'est pour un truc bizarre? Ils m'ont dit non, t'inquiète pas et tout. Je dis sinon on annule. Je suis un rat, mais quand même je suis un rat fidèle. Je suis un rat conscient. Ouais, de fou. Et du coup, non, ils m'ont dit il n'y a pas de soucis et tout. Il y a Billy qui est venu hier à mon entreprise qui m'a payé. Non, il m'a pas payé, il m'a juste confirmé effectivement le fait que ça sera à 22h50 le rendez-vous à l'héliport de la Marina. 22h50, effectivement, ils étaient à l'heure. Hein. Ils blaguaient pas. Ils rentrent dans l'hélicoptère et ils me disent bon, qu'est-ce qu'on fait? Je leur dis bah c'est à vous de me dire qu'est-ce qu'on fait. D'habitude c'est moi qui fais le trajet, mais cette fois-ci ils voulaient pas. Ils me disent ouais, on aimerait bien voler au moins 40 minutes au-dessus du palais de justice. Bon là j'ai compris direct, j'ai dit oula, bizarre cette histoire. Après elle était constamment en radio et finalement elle a eu un call lui disant que c'était à 23h30. Du coup la première partie s'est bien passée, on a fait un saut parachute. Et la deuxième partie au moment de la récupérer au sol, là il me braque. Au début c'était voilà gentil etc, et puis là il me braque. Et là, je comprends que voilà quoi, ça va se passer comme ça, comme ils le veulent. On se dirige vers les éoliennes. On attend là-bas environ une heure. On voit des voitures de police se diriger vers la prison pour ensuite aller vers le sud. Bon, là, je comprends que c'est le transfert en question et qu'il va falloir les taper en fait au retour. Et au retour, après bah, une heure et quart d'attente, ils ont l'info comme quoi ça passe Fuente, il me semble.
Et du coup, bah, il m'oblige, hein, sous la menace d'une arme, à survoler le convoi et du coup à attendre que ça tape. Une fois que ça tapait, il m'a obligé à atterrir. Et là, effectivement, gros capharnaüm, hein, j'entends leur chef dire bah, écoutez, pas d'otages, bah, on bute les flics. 42, incroyable, gilet pare-balles sur patte, il a pas branché, bah les couilles. Il a encaissé comme un homme, et il est tombé comme un homme. Et du coup, j'ai eu peur parce qu'il lui reste encore 180 000 $ sur le compte. Mais du coup, alhamdoulilah, il est encore en vie. Et du coup, bah voilà, après, moi, ils m'ont dit, bah remonte, fais-nous descendre. Ils sont descendus, ils se sont fait mitrailler, et moi, je suis remonté, quoi. Et quand j'ai recroisé Billy, il m'a dit, t'inquiète pas, mais je te repasserai un petit peu d'argent. Mais je dis, encore heureux que t'as passé de l'argent, gamin. Et voilà, fin d'histoire. Merci, c'était Richie, Richie Laura. Merci, Richie, merci pour votre intervention. J'espère qu'ils vous ont pas fait de mal. Eh, hey, 20 000 $, frérot, je suis humble. Au niveau des qui c'est qui s'occupait des corps, là, des blessés? Vous avez tous les noms, tout le monde? Vous avez tout le monde? J'ai 3 noms et j'avais tout envoyé à 28. Quoi, c'est des O'Neill, c'est ça? Non, j'avais 2. Et toute la famille ou pas? A priori, oui, j'en ai 3, c'est 3 O'Neill. Ouais, il y en avait des O'Neill. Il y a Lily, Robert qui essayait de péter le convoi aussi. J'ai vu des O'Neill, j'ai vu des Familles aussi. Je les avais en véhicule fatalisé, ils avaient pas d'attention. On verra pour faire une perquisition chez lui. Chez lui, c'est chez moi, c'est un croix. Ah, mais on verra 28 avec le juge là, pour, et le BCSO là, pour voir si on peut pas perquiser là, chez leur ferme, là, Léonie, ça leur apprendra. Les autres, bah vous. Bah, je pense, hein, non? Il y a 365 visés et 95 000 $ d'amende. Bah, il est tombé pour assassinat, va. Apparemment. Oh, oui. Il est plein meurtre, ouais. Il avait tué qui? Son père. Ouais, et tous ses frangins. Super, ça. C'est dommage, il a pas fini le travail. Quoi? Bah, il a pas tué le reste de sa famille. Bah, c'est peut-être que ses frères voulaient faire, hein. Bah, c'est ce qu'ils voulaient faire, c'est ce qu'a m'a dit Lily. Ils voulaient le buter. En fait, leur destination, en fait, c'était qu'on le fasse monter dans mon hélicoptère et qu'on se dirige plein sud au niveau des docks. Et de là, bah, je pense qu'ils prenaient des bateaux, une connerie comme ça, je sais pas. Je te ferai la face après, 42. Je prends un 18 là. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que la prochaine fois, vraiment, dites-leur, venez, on va plus loin, on va discuter, ok? Parce que là, ils ont cru qu'eux, on s'en fout, on s'en battait les couilles. Puis on va pouvoir retourner dans le sud, merci à vous, BCSO. Vive la police! À vous, hein. Voilà. Vive le BCSO, vive le SPD! Toujours un plaisir de travailler ensemble. N'hésitez pas pour l'occasion! On fait un bon 10% avec le code de SPD, BCSO! C'est un plaisir de tester votre nouvelle salle de dispatch. Je vous en prie, 25, y'a pas de soucis. On est un peu étroit dans votre merde. Slim, et bisous! Hélicoptère! Alors, Richie, vous avez fait quoi de l'hélicoptère de police qui était garé ici? Ah, faut demander à Ben Barak, c'est pas moi. Oh non. Bah, il l'a rangé? C'est 88. Bah, allez, je prends un policier avec moi, 2 000 $. Ah, il reste qu'une seule place, il reste qu'une seule place, attention! 160, attention! Ah, bah, c'est rare. Ouais, je t'ai mis, j'arrête de faire ta crevard. C'était grave. 1000, c'est bon, 1000. 1000, vas-y, monte, 1000, c'est bon. Vas-y, 1000, c'est bon. Allez, pris. En place extérieure. Attends, je descends. Quoi? Non. T'es sûr? C'est toi là? Bon, là c'est 500 $ par contre. Richie, t'as de la place? Non, Roya, y'a plus de place, sauf si Abby veut te soulever. Viens, Abby. C'est 1 000 $ la place, hein. Vas-y, hein. 61, 42. Bon, s'il y aurait un coffre, j'aurais été, mais bon, j'ai pas. Bah. Hey, Abby, Richie. Ouais. J'ai réfléchi à un nom pour notre trio. Ah, ouais, il a trouvé un nom. Non. Fou, hein. Les rats. Ah, ouais, rats. Mets-moi l'adresse du Lespidi d'abord avant de raconter de la merde. Non, mais écoute-moi, R pour Richie, A pour Abby et H pour Hassan ou Hans. Ah, rats. C'est bien, non? Les rats. Et attends, le escort de Abby, il est où? Vas-y. Ah, bah lui, il va se faire un œuf. On est les rats. Je suis Abby. Les rats, c'est la rara, c'est la rara. Ah, ça va, madame? Ah, attendez, laissez-moi. 11. Et ça, c'est ça. Ah, c'est bien, ah, je sais pas, oui. Ah, ça se voit que tu connais bien ton barilou, hein. Eh oui. C'est moi le OG. 11, t'es marié? Non. Bah, comment ça va? On va vous trouver. Fiancé. Bah, fiancé, bah go à Caillot avec ton mec. Non, c'est les rats. Je suis bien ici. Mais non, mais pour un truc romantique, sur une île paradisiaque, avec des noix de coco, du lait de coco, des jus d'orange, des jus de citron. C'est vrai, pourquoi pas. Vous n'avez pas vu que 42 a été? Regardez son zoop. Il a été, regardez, il est de retour. Envoie-lui directement les photos. Ah, mais y'a pas de souci. Attendez, donnez-moi votre numéro, Dame 11. Vous venez d'où? Congo. J'en étais sûr. Ah bah, oui. Brazzaville ou Kinshasa? Ah bah, Brazzaville. J'en étais sûr. Ah bon? Et pourquoi? L'odeur. Pas, N'hésitez pas, c'est 10 000 $ par personne. Ta gueule, c'est moi qui ai dit ta gueule. Tu vas rien prendre dessus. T'es un ouf, toi ou quoi? C'est un ouf. Mais lui, c'est un baiser, lui. Non, mais c'est le business des photos. Ah oui, non, c'est vrai. C'est vrai. J'allais juste dire ça. C'est toi. C'est bon, excuse-moi. Et si vous voulez qu'on a un photographe professionnel comme je peux vous le faire voir, là, les échantillons que vous envoie sur 42, je peux vous faire aussi ce genre de portrait pour 2 000 $ en plus. Mais plaisir, merci en tout cas. Et oui, j'en parlerai à mon fiancé. Bien sûr, et les 1 000 $.
C'est bah, les 1000 dollars, je vous facture. Oui, y'a pas de suite, donnez, voilà. Les bons comptes font les bons amis, comme on dit. Donc on est amis. Allez, madame voilà. Rose. Y'a pas de soucis. Prenez soin de vous. Bonne soirée, faites attention à vous. Merci, vous aussi. Au revoir. Ah ouais, sur les photos, on dirait Richie, t'as un moniteur de. J'ai vendu. Eh, je l'ai vendu 1000 dollars cette photo là à papy. Ah ouais? Laquelle? Bah, celle où on me braque. Le rat. Ah non, je l'ai pas vu la photo. Et c'est quoi, je suis un rat, comme ça les photos? Pourquoi j'ai entendu un? Le rat. Le rat. Ouais, bah pourquoi elle a dit ça d'ailleurs? Pourquoi? Je sais pas. Viens, montez dans l'entreprise. Vous avez fait quoi alors quand j'étais pas là? Quand j'étais en otage? On t'a cherché partout! Non, bon, je vous jure qu'on vous a cherché pour de vrai. T'as cherché partout, BCSO, pas de justice, je sais pas quoi. On a fait des alertes. Regarde, c'est ça. Moi j'ai dit à Abby, les dernières paroles que j'ai entendues de Richie, c'était que comme quoi c'était un anniversaire et qu'il le sentait pas trop et que si jamais il allait atterrir sur le toit du BCSO. Donc, première piste, on est parti au BCSO. Le toit du BCSO? Mais j'ai jamais dit ça. Si, sur le toit de hôtel de justice, pardon. Oui, ça n'a rien à voir avec BCSO. Oui, bah au départ on est parti au BCSO et après on est parti à l'hôtel de justice. Et sur la route on a fait 3 accidents. J'étais coma. Faut que je vous raconte mon histoire d'ailleurs. Bah ouais, de ouf. En plus tu devais nous annoncer un truc, non? Bah justement, c'est ce que je vous annonce maintenant. Ah! Oh mon dieu, il faut une ambiance. Ouais, ouais, mets la bande noire, musique et tout comme ça. Ouais, ouais, ouais. On connaît les techniques. Il a tout dit. J'ai tout baisé. Ah, mais je te jure, mec, bientôt il va me dire le contenu. Va tout dire. Ah, mais sauf que sur la rediff, après le son il est coupé parce que ça Hamar il met des trucs copyright, ce con. Ah, ouais, ouais. Il est trop con. Allez, vas-y, c'est bon. Bon, venez, là, venez. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Vous avez remarqué. Eh bien, on va pas parler là. Si, justement, t'inquiète. J'ai tout pensé. Mais mettez-vous bien, wesh, comme dans une scène de film. Vas-y. Genre. Entrez, on se met en triangle, ok? C'est bon. Est-ce passé équilatéral ou isocèle? Équilatéral. Équilatéral. Ok. Abus tout de même ce que ça veut dire, fais pas genre. Mais bien sûr que si, wesh. Vas-y, c'est quoi? Bah, tous les côtés ils ont le même. Bah, ouais, du coup, c'est pas comme ça. C'est plus comme ça. Ouais, mais là, c'est. Parce que là, c'est isocèle, tu vois. Et là, c'est plus équilatéral. Bref, ok. Allez, tout de suite. Vous avez remarqué que je suis pas quelqu'un normal, on est d'accord? Ouais. Ça me fait peur, là. Il est chelou, quoi. Non, mais en dehors de mon aspect physique, qu'est-ce qui vous choque? L'odeur? La force, voilà. Bien joué, Abby. Vous savez pourquoi j'ai... Vous savez ce qui s'est passé ou pas dans mon enfance? Non. Vous êtes tombé dans la marmite de... C'était un soir où... Il y avait de l'orage. Waouh. Et ce soir-là, ma mère m'a demandé de... sortir Zibel dehors. Donc, comme un enfant... attentif à sa mère, je suis dirigé... Fort, l'orage, il est fort, hein. Ah ben, c'est exactement cet orage-là. Je me suis dirigé vers l'extérieur avec le sac poubelle. Et comme il pleuvait, j'ai pas voulu être trop mouillé. Et comme Mahmar, j'ai couru. Et vous devinez la suite. Je suis pris un de ces coups de tonnerre dans la gueule. Une dinguerie. T'es de là, tes cheveux? Et ouais. Ah, c'est ce que j'allais dire. Ça explique ma chevelure et puis ça explique cette force surhumaine. Et il me semble, quand je me suis réveillé dans la flaque d'eau, il y avait un rat juste à côté de moi. Et vous savez que les rats, par rapport à leur taille et leur poids, ils sont super forts. Je pense que je suis un rat. Mais genre vraiment, tu vois, comme Spider-Man avec l'araignée, mais moi je suis un rat. Ah ouais. Ça me fait un peu peur, putain. Oh là, oh là. Wesh. Rahman. 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 Oh putain, c'est reparti. Ratman. C'est passé quoi? Ratman. C'est passé quoi? T'as fait un truc bizarre. Mais vous avez... Après t'as couru et t'es... J'ai raconté l'histoire ou pas? J'ai raconté l'histoire. Oui, vous avez raconté l'histoire. Okay. Vous avez fait un bout de rat. Ça va alors. Ça... Eh, foutez pas ma gueule. Eh, j'ai raconté ça à personne. Hein. Ça veut dire que t'es un vrai rat. Non, mais ce qui je sais pas. Je sais pas si je suis un vrai rat. Mais en tout cas, c'est ce que ma mère m'a raconté. T'as essayé de voir des médecins, des trucs. Oh, les médecins, il y a que les gens malades qui vont les voir. Je suis pas malade, moi. Mais si vous racontez ça à personne, c'est que on est des personnes importantes pour vous, c'est ça? Ah ouais, quand même. On a quand même parti plus de 50 000 $ ensemble. Donc forcément, vous êtes des gens importants pour moi. C'est une question bizarre, ça, Hans. Hein. Non, mais déjà, hier, vous m'avez dit quelque chose qui m'a interloqué. Qui t'a choqué, quoi. Qui t'a choqué. Il t'a dit quoi? Vous m'avez dit, on commence à se rapprocher, vous et moi. Oui, mais genre amicalement parlant, frère. Oui, amicalement, bien sûr. En plus, vous et moi, on a un point en commun. Hein. C'est quoi? On donne de l'argent à nos parents. On rassemble de l'argent pour nos parents. Voilà, oui, mais ton père, il est pas malade, à ce que je sache. Si, il est malade. Ah, un skin, il a quoi? Il est dans un coma. Éthylique, hydraulique? Hydraulique. Putain. Hydroalcoolique. Hydroalcoolique, putain. Ah merde. C'est les pires, ça. Et toi, Abby? Moi, ils sont morts, moi. Alhamdoulilah, ça va, t'as pas de soucis, là. Oh, ça va. Comme ton mari, ils sont morts comme ton mari? Non. Oh, ça va, là. Attends, tu vas pas chialer, j'espère, là? Non, wesh. Bonhomme, ma gueule. Mais ouais. Eh, on a qu'une vie, hein, tranquille. Ouais.
Wouah, Abby qui pleure, attends, j'ai jamais vu. Attends, je prends une photo comme ça, je l'envoie à Ben Barak. Mais elle va s'en vendre 2000$ là. Ouais, je me lance, tu vas pas pleurer, t'es pas sérieuse là. Ah, mais tranquille, moi aussi j'ai perdu des êtres chers. Ouais. Mon hamster, quand j'avais 5 ans, qu'est-ce que je l'aimais? Une dinguerie. Ah ouais, il s'appelle comment ton hamster? Mais aide-moi, Victor, il s'appelait Victor. Mm. Victor, il a rien gagné, parce qu'il est, moi je peux le dire. Hein. Ouais. Mais tu sais comment il est mort? C'est moi qui l'ai tué sans faire exprès. J'ai nettoyé sa cage avec de l'eau de Javel, il a pissé dedans, pfft, il est mort. Parce que bah, l'urine et le Javel, en fait, ça dégage un gaz toxique. Mais c'est vrai, hein, c'est véridique, hein, faut faire attention. Bah, c'est noté. J'ai tué mon lapin, Pampan, de la même manière, Mskin. Ah ouais. Il a pissé sur l'eau de Javel, quick, il est mort. Et toi, Hans, t'as perdu aussi des gens qui t'étaient tirés, non? Oui, énormément en Allemagne. Oui, forcément. En 39-45, laisse tomber. Tu crois que j'avais pas compris, espèce d'enfoiré, moi? Vas-y. T'as perdu qui? Vas-y, comment ils sont morts? Mon arrière-grand-père, il est décédé durant. Le nazi? Ça compte pas, ça. Je vis. Mais non, mais là, ça compte pas, oui, c'est de l'histoire, oui, bah oui. Oui, sacrée histoire, c'est une histoire d'horreur, là. Oui, bah oui. Non, mais y a pas quelqu'un qui est mort tragiquement, à part les dénigres. Si. Au pire, on peut arrêter de parler de mort, tranquille, hein. Ouais, j'ai perdu. Ouais. Vas-y, ça marche. Bah, tu sais quoi, je vais appeler Hamid, du coup. Ah, ouais. Ah non, y'a un gitan qui m'a appelé, en fait. C'est un gitan. Je sais pas, un gitan, il m'a appelé, je sais pas pourquoi. Ah, y'avait le juge! Eh, histoire de fou, hein. Le juge, il arrive pour juger Clay. Juste avant, il veut se la péter, il veut me louer une voiture de luxe. Il y a aucun sens. Il y a aucun sens. C'est là où j'ai dit, tu sais quoi, alhamdoulilah, je suis en otage, moi ça fait plaisir. Là, au moins, il y a un sens, tu vois. J'ai vraiment eu peur quand il s'est pris des balles tout à l'heure. Mais Carole, ça va quoi? Ça va, toi? Dis-moi, le juge, il veut toujours une location? Ah, je sais pas s'il veut une location, le juge. Mais est-ce que tu m'as appelé tout à l'heure par rapport à ça? Ouais, mais depuis, le jugement, il est fini. Fils de pute, ça me casse les couilles, j'ai raté une location. Ah oui. Ouais, parce que t'étais otage. Bah, du coup, je lui envoie un petit mail, je veux voir s'il est chaud, ok? Ouais, je te rappelle dans 3 secondes. Okay, au pire, tu peux me louer un truc, toi, genre tranquille. J'ai vraiment eu peur. Tu sais, j'ai eu peur pour toi, t'as l'air caronné. Ok, t'as une mécane pour moi me louer? Ouais, j'ai une moto, Vas-y. Fais confiance, je passe tout à l'heure, ok? À tout à l'heure, beau gosse, vas-y. Ouais, tout à l'heure. Hop, acteur studio. C'est quel beau gosse, c'est moi? J'avoue, sacré acteur. Ouais, un peu, ouais. Un petit son par jute ou quoi? Non, moi ça va aller, moi. Moi je vais dormir, hein. Mais non, frère, pas maintenant. Si, je vous jure. Sérieux? Moi aussi. Je suis mort. Ouais. Bah, avant ça, on fait un petit son par jute pendant 2 heures. Bon, d'accord, allez, ça en parachute. Tiens. Vas-y, chaud. Moi j'en ai un déjà, j'en ai un. Moi j'en ai pas. Vous me rejoignez? Mais comme ça, t'en as un, toi? Bah, vous me l'avez donné. Ah oui, depuis tout à l'heure, c'est vrai, c'est vrai. Allez, vous me rejoignez? Yallah, c'est parti. Viens, mettez-vous au bord, Attends, on y va tous ensemble. C'est la création des rats. Tu sais le faire ou pas, Abby? Non. Merde. Bismillah. Attends. On y va à 3. 3. Attends. T'as eu peur, hein? Hop là, le petit roulé-boulet. Et voilà. Et lui, ce con, tu l'as vu atterrir où? Enfin, atterrir. Oui, enfin, atterrir. Oh, je crois qu'il est là-bas, là. Hans? Oh! C'est bon, je l'ai trouvé, il est là. Oh, c'est un beau. Mais t'es con, tu vois? Là aujourd'hui, je t'ai pas poussé. La hamar, tu vois? T'es vraiment un hamar sans en diplôme. En plus, t'as glissé, je t'ai vu, t'as fait zubloo. Une dinguerie, il est trop bête. Et voilà. Minuit 42, ça va déjà dormir. Eh, oula, vous me dégoûtez, je te jure. Ouais, encore, Hans, bah... non, je comprends. Comme ça, Abby, tu comprends? Abby, t'as aucune excuse. Mais 72 heures, t'étais pas là, et là, tu viens 2 heures et tu vas dormir. Vérité, j'ai vous inquiétez pas, le week-end, à fond. Là, voilà, exactement, à fond. Allez, dégage! Ça, dégage! Ah, dégage! Tu parles, c'est dégage! Allez, Bared! Bared? Bared, plutôt. Non, allez, Bared! Ah, Bared! Bared! Ah, oui, Bared! Oui, bah oui, c'est ah, ça oui. Dans le Bared, oui. Bared, bah oui. En allemand! Eh, j'ai réussi à sauter avec Abby alors que normalement c'est un poids, je crois, maximum de. 120 kilos, je crois, un truc comme ça? Un peu, non, 135. Mais wesh! Bah quoi? Je suis à 70, t'es au moins à 80, toi! Mais pas. Quoi? Arrête! Eh, pas à moi, s'il te plaît, hein! Ouais, je t'ai sérieux. Oh oui. T'es mal à ligne, svelte. Ouais, d'accord, ok. Svelte. Alors, le bon talon, ça fait BOUK. Bon, allez, les beaux gosses, ça demain. Ouais, beaux gosses, ça va quoi? Ouais, ça va toi? Ouais, et du coup, c'est qui a été promu là chez vous ce soir? Ce soir, bah, genre, on a eu beaucoup de promotions. 25, il a été promu? 25, non. Et toi? Non. Oh, dommage. Quoi? Non, j'ai dit dommage. Je vais aller tourner la roue en costard. C'est bon, j'ai déjà de l'argent. Ça va quoi? Ouais, ça va et toi? Non, mais t'as ouais, beau gosse, on est là. Ah, attends, juste une question. Attends-moi un peu, Hassan. Mais juste une question, Richie. Ouais, oui, je t'écoute. C'est trop bizarre, je peux pas monter sergent chef, mec. Les fils de pute, j'ai appelé Ben Barak. Ça, il m'a dit comme quoi il y en a plein qui ont été promus, plein qui ont pas été promus. Mais je pense, c'est quand la prochaine promotion? Bah, je sais pas du tout. Mais tu crois la prochaine? Vas-y. C'est sûr. Ok. Frérot, tu sais pourquoi? Pourquoi? À mon avis, t'sais, vu qu'il y avait de la neige et tout, t'as dû faire des conneries, t'as fait des batailles de neige? Ah ouais, bah ouais. Putain, mes frères, je t'avais dit une bataille de neige, c'est pas. Putain, j'ai entendu. Non, mais j'ai entendu, j'étais là, le truc, ils ont dit comme quoi tu faisais beaucoup trop de blagues et tout.
Ouais, donc, ouais, c'est vrai. Bah, c'est un frère. Ah, hey, je pense qu'il y a une poucave chez les flics qui te poucave. Ouais, je crois. Et c'est qui est monté chez dans ton entourage et toi t'es pas monté, c'est qui? 34. Fils de pute. 66 aussi, sois cet enculé. T'as vu? Eh, hier, c'est lui qui m'a poucave par rapport à vous et Katana et tout, hein. Ah ouais? Ben oui, c'est lui qui m'a appelé. Oh mais oui, t'as raison, 66, il poucave et tout. Eh ouais. Oh, oh le salaud. Ok, ok, merci, vas-y. Je vais voir ce que je peux faire. Tu veux que je m'occupe de lui? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Oh, vas-y, t'as 100k. Ouais, non, en fait, finalement, on va attendre. C'est un bon gars, c'est un bon gars, en vrai. Ouais, c'est vrai que c'est un bon gars. Mais j'ai en parlé avec lui, quand même. Tu veux quoi? On va... Là, on est là, il y a le... Je te fais une avant-première ou pas? Oui, dis-moi. Mais vraiment, de fou, hein. Demain, j'aurai des pocket bikes. Des pocket... Mais j'ai vu, c'est celle que t'avais pendant le non, non, ça, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, d'accord. Là, c'est vraiment des motos miniatures, et il y a une grosse, grosse surprise. Et vas-y, je peux pas le dire, en vérité. Allez, allez, s'il te plaît, restez entre nous. Ok, 3 000 $. Non, en fait, c'est la surprise. Moi, j'aime bien les surprises. Allô? Ouais, beau gosse, ça va quoi? Ouais, ça va et toi? Je te dérange pas? Non, pas du tout. Ouais, juste pour... dis-moi, c'est pour quelle heure la location si jamais t'en prends une ce soir? Bah, je sais pas, je sais pas, t'as des horaires précises ou... Bah, là, je suis dispo si jamais, après ça faut ça... Vas-y, je vais passer. Vas-y, ok, à tout de suite alors. À tout de suite. Allez, beau gosse. Aïe! Mais... Oh, bah, non. Oh, 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 oh. 2 000 $. Oh, j'avais pas vu. Par ici. Oh bordel. On est sur Mario Kart, il va niquer. C'est 2 000 $ là. Ah, sinon je porte plainte. Ah oui oui, il a donné 2 000 $. Ouais ouais, je vais vous donner 2 000 $, vous inquiétez pas. Ah, oh, j'ai eu trop mal. 2 000 $. Bah c'est un frais. Pourquoi tu... Non rien. Pourquoi tu donnes 2 000 $? Ah oui, il est professionnel, il a vraiment... Quoi? Ah, ça va mieux, nickel, on peut y aller. Parfait. Ah, parce qu'il m'a donné 200, du coup, je lui ai fait une facture de 1 800, parce que ça fait 2 000. Ah, le rat. Ah, oui. Ah, sinon, je portais plainte et c'est sûr, ton uniforme, il allait sauter. Hein. Devant, en plus, le capitaine, t'étais mort. Hein. Ah oui, 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 capitaine, moi, qui avait un coup de volant. Bon, non, non, c'est pas vrai. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Bon, les amis, demain, la première. Pocket bike. Pocket bike. Des petites motos, quoi. Comme les petites voitures là, mais Ah, trop bien. Et j'aurai un autre truc, mais je peux pas vous le dire. Ah, bah si, t'as commencé, tu finis. T'as commencé, tu finis. Là, c'est vraiment une dinguerie hein, ce que je vais proposer. Hein. Demain? Ouais. Oh, je vais être le premier, il va au courant là. Bon. Ça se négocie. J'ai le compte en... Bah, mon compte en banque. T'as combien? Bah, je vais pas tout te donner parce que. Bon, ah non, c'est Gavibo. Là, j'ai 160 000. Ah, c'est Gavibo. Attends, déjà, tu fais quoi comme moto, Diabo Gosse? Parmi les nouvelles là, il y avait une qui était bien là. Il y en a pas mal en vrai. Après, si tu veux quoi, tu veux genre une grosse Harley, une grosse cylindrée ou bien une. Une rapide. Parce qu'en rapide, t'as la Shinobi. Sinon, t'as la Wintergreen qui est en mode un peu à la Davidson, tu vois, les grosses Harley là. Je peux la tester? Bah, c'est quoi ton budget? Tu peux faire 20. Ah, ça ira. Bah, tu peux faire 20. Mais vraiment, taille du rat. Est-ce que vous avez les T20? Ça y est, c'est dur. Les T20? Ouais. Non, on a tout. Hein. Ah ouais? Ah, vous la louez à combien la T20? T20, je veux te dire ça, c'est pour une heure? Ouais. T20, du coup, c'est 8 800 $ de l'heure. Eh oui. Ah bah frérot, elle coûte 880 000 d'achat. Ah oui, d'accord, ok, oui. Eh oui. C'est un truc comme ça que tu voulais, 42? Moi je veux une comme ça là, tu sais, un truc sportif. Ah bah ouais, voilà, ouais, une Shinobi. Voilà, un truc qui envoie du pâté de campagne quoi, c'est incroyable. Bah celle-là, la Shinobi, elle envoie. Il y a une dame qui va arriver, ok, dans le garage. Hein. Regarde celle-là, ouais, je t'ai pas dit. C'est une bikeuse, ok. Je veux une moto de biker maintenant, je veux changer d'avis. Bah elle est là, regarde, elle est là. Ça c'est une moto de biker ça? Ah, oui frérot. Non mais ça c'est une moto de... Non, celle-là. C'est pas une moto. Mais bien sûr que si, les bikers à côté d'un dessus. On peut monter ça, je peux dire non. Que la Sovereign c'est une vraie moto de biker. Non, 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 je crois pas. J'en ai une déjà de Sovereign. Attends, on essaie, bien essayer. Mais elle est incroyable celle-là. Attends, j'en ai... Là, attends, tu veux la plus bizarre? Regarde, je vais te la sortir. Vas-y. Ah oui. Wesh les Ghostbusters, ça va quoi? Ah c'est équipe de déminage, bonsoir. Déminez-moi la gueule. Wow. Voilà, c'est exactement ce qu'on allait faire 42. Regarde, c'est là, c'est celle-là. Ouais. Bah alors, 42, qu'est-ce qu'on fait? Madison, c'est quoi ta préférée? Sovereign, pas Sovereign. Sovereign, pas Sovereign. Écoute... Bah t'as besoin d'en prendre deux, là, du coup. Hein? Ah bah oui. Bah, oui c'est dans quel but, 42, simplement? Une balade amicale, oh. Une balade amicale. Moi, j'étais censé chasser des fantômes ce soir, juste. Et aller chasser en moto? Les fantômes ils s'adaptent maintenant. Regardez, vous êtes trois, c'est une manche pour me faire pardonner parce que je vous ai volé votre voiture tout à l'heure. Je vous prends trois motos pour vous. Vous l'avez aussi. Trois motos, une chacun, c'est bon? La location est pour moi, c'est bon ou pas? Très bien. Je vais essayer votre moto, c'est moi qui paye. Ok, on est bon. Si tu veux, je peux les trois loupards, les trois mousquetaires, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est 42 qui régale. Putain, merci. Tu mérites un petit bisou, ça, Madison, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je te rappelle. Ici, 42. Bon, allez, je prends celle-là. Je te ferai une réduction du coup parce que ça fait mal au cœur quand même. C'est bon. Imagine 11 et le régisseur le premier soir à l'heure. Allez, salut les bikers, à bientôt. À
Attends, comment oh, on conduit bon, ça, bon, moi. Moi, je te dois, mon gosse. Désolé. Bon, 6 tours, 25. Allez, je suis gentil. Vous êtes parti où ? Merci. 66. Et pour l'info de demain ? Pourquoi ? C'est une info de fou, hein. Ouais, mais vas-y, je suis chaud, moi. Des vols, gravité zéro. Hein ? Ah, c'est bon. Je okay. peux pas, y a pas de rediffusion. Désolé. Bon, attends. Je veux l'avoir. Tu quoi ? L'avoir. Tu veux l'avoir ? Tu veux l'avoir ou tu veux l'avoir ? L'avoir, VAR. Ah, bah ça, on va demander à Molière, t'as capté ? L'avoir, Molière. Okay. Ah, bah oui, c'est fin ici. Technique. Du coup, vous voulez rien louer ? Attends, t'as loué à des gens et toi tu prends rien, 42 c'est parce que tout à l'heure j'aurais volé un véhicule et j'ai recrevé la pneu. Enfin, c'est combien pour louer un véhicule ? Bah ça dépend en fait du modèle. Par exemple, le monsieur là voulait une T20 mais il a pas les épaules pour. Tu veux une T20 mon petit ? Non, arrête de dire ça, je vais tout débourser. T'as pas mais d'argent, non, mais il a pas de thune, mais c'est pour les riches. 42, c'est pour les riches 42, c'est pas pour lui. Ouais, c'est vrai. J'essaie de rentrer dans ton cerveau. Tu vas louer une Blista là pour le petit pauvre là. Allez, une Blista, c'est parti. Non, mais je peux la louer demain ou pas ? Non, la vie doit, je loue la T20 demain. Je vous paye maintenant. Pourquoi tu veux louer la T20 ? Pourquoi demain ? Je voulais faire une course. Non, je veux rouler. Je vais me la péter. Alors là, t'es bien là. Une prairie. Vous avez les un tout petit véhicule. Traction. Des cartes ? Ouais. Ouais, j'en ai. Non, il y en a pas. Merci. Donc là, c'est une heure là. Ouais, là, c'est une heure. Et si je dépasse. Je pense si je fais 2 heures. Oh la facture. Oh là, demain je te retrouve et tu vas payer 10 000. Hein. J'espère vraiment qu'elle va dépasser une. Ah, c'est bien, 58. Bah, je peux pas monter avec toi. Mais en fait, oui, bah oui, mais genre, tu t'en loues un. Moi, je. Mais pas maintenant, dans la soirée, mais pas maintenant. Non, mais lui, il a dit qu'il économise pour la T20. Mais tu regardes, tu loues maintenant, tu le gardes au poste et après tu prends. Bah non, du coup, je perds une heure. C'est vrai qu'elle est belle, hein. C'est vrai qu'elle est belle, hein. Oh là là. Moi, vous savez, j'ai les moyens de me la prendre, hein. Je vais lui prendre, hein. Écoute. Oh là là. Oh là là. Oh, comment il s'ouvre. Oh là là. Non, papillon. Ok. Moi, j'aurais pas hésité une seule seconde, vraiment. Est-ce que vous êtes dispo demain? Bah ouais, dès qu'il y a un billet, je suis dispo. Je peux avoir votre numéro? Bah 6x0. 6x0. 00000. Ah oui, merde. Oui, d'accord, ok. Eh oui. Ok. Bon bah je vous recontacte demain, je vous la prends demain. Bah ouais, nickel. Ça marche vers quelle heure, tu sais à peu près ? Vers demain, on a quoi à faire ? Comment ça, on a quoi ? Bah t'as ton taf à faire quoi ? Travail, ouais. Travail, tu vois. Eh, on dirait y a des devoirs. Alors y a un DM de maths. C'est incroyable. Non mais est-ce qu'il y a une descente de prévu ou autre ? Non, y a pas de descente de prévu, mais t'as pas de descente. Un travail de policier à faire quoi ? C'est qui ? Là-bas au fond. Il marche sur mes véhicules ! La caution ! Oh, j'aurais pas quitté. Ouf, la caution. Oh la caution, t'as marché sur mon véhicule de luxe. Mais non. Mais t'es un fou. Regarde, c'est des boîtes toutes neuves, elles sont illustrées et tout. Moi j'ai vu, t'as mis la crasse. Elle vaut un million. Là t'as niqué la caution là. Elle vaut un million la caisse. Là c'est 2 000 $ de caution. J'ai plus d'argent. Moi j'ai peut-être payé 2 000 $. Eh, c'est combien ? C'est quoi ? 2 000. Offre-moi la caution. Vas-y, comment on paye ? Non. Par carte, par espèce, de l'argent quoi. Ça va, j'ai pas espèce. T'acceptes pas la balle. Après on liquide, c'est mieux comme ça, il déclare pas. Non, t'es fou, je déclare tout. Il veut bien une carte. Et sinon, ah si, bah de toute façon, tout va sur mon compte, donc... Vers 25, 66, 58 et 23, vous allez tous prendre la carte, ok ? C'est moi qui régale, ok ? Très bien. On va aller, on va faire une petite course. De chez les filles jusqu'au poste, ok ? Julien Doré, tu veux quelque chose ? Non, moi je suis arbitre, moi. Ah, vous êtes arbitre ? Allez dehors, on arrive devant. Et au pire, attendez, on n'a qu'à prendre des motos. Venez, on prend les motos. Parce que c'est pour faire honneur à dedans. Ouais, déjà. Richie, faites le décompte, ok ? On va pas jusqu'où, mais on va arriver au poste. Au poste, je me mets à côté de. On y va. Devant le poste, okay. On y va à 3, ok ? Vous êtes prêts ? Oui. Attendez, 3. Yes. On va. Eh, hey, 42, tu me fais penser à Schwarzenegger dans Terminator 2. Avec le gros fusil à pompe là, boum. La deuxième, c'est incroyable. Ah, de fou. Comment c'est dernier. Oh là, calmez-vous. Oh là. C'est qui a perdu alors? C'est 23. 23. Comment c'est dernier? Merde. Non, je suis désolé. Non, elle a mérité, Richie, on a déjà parlé de ça hier. T'as voulu m'éteindre aussi sur la route. Tu rigoles ou quoi? Dès le début, j'ai été pénalisé. Frère, j'ai fait 30 000 tonneaux. Et j'ai gagné. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Après, je dis rien. Il y avait juste un truc à perdre. Elle a dit, je balance des bananes. Elle a balancé des bananes BZ. C'est le nouveau modèle. Mais vous voulez pas qu'on fasse la revanche au retour? Non, t'as perdu. Mais après. C'est vrai que normalement c'est 3 tours. Hein. Sur Mario c'est 3 tours. Hein. Tu vas tout mettre en Ah, mais là faut. Alors on part d'ici. Vas-y, je mets tout en quête. Bah, jusqu'à l'autre prise. Comme Spooky. Ah, vas-y. Jusqu'à où? On y va à 3, ok. 1, 2 et 3. Oh, il est parti avant. Oh, le tricheur. Oh, le tricheur. Non, c'est bon, j'ai freiné.
Ah ouais, voiture tamponneuse le truc. Et je te jure, M23 il a encore dernier, il voulait refaire pour moi, gagner l'encore dernier. Allez 25, allez 25, allez. Allez oui, je peux le faire. Hé me rattrape, oh mais il triche. Aïe. Désolé. Vraiment. M23 il a voulu refaire pour pas finir dernier, il a encore dernier. Aïe.